Très chers collègues, bonsoir. L'ASMAR continue la série de webinaires donc avant la fin de l'année comme prévu. Cette fois, l'intitulé, c'est les pneumopathies nosocomiales conduites à tenir. Ce webinaire, on le fait en partenariat avec les laboratoires MSD, une autre partenaire IM Alliance. Le contexte, c'est dans les suites de la semaine mondiale de l'OMS sur l'antibiorésistance, qui est le thème cette année, tous unis pour préserver les antibiotiques. Il y a un autre contexte, c'est le Covid ou la pandémie de Covid, où il y a beaucoup de malades, la COVID se manifeste essentiellement par des détresses respiratoires d'une part, et d'autre part, la plupart des malades ont en principe une antibiothérapie au préalable. À tort ou à raison, on verra. Sans trop tarder, je cède la parole au modérateur, professeur El Adib El Ghassan et professeur Belyamani. Et puis suivra les orateurs. Merci. Allez-y, Monsieur le Président de la SMME. Activez l'audio. Allô, vous entendez? Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est Adib. Merci, c'est Tiani Shafer. Merci, c'est Zouher d'être présent avec nous. Aujourd'hui, on va s'entretenir à propos des pneumopathies liées aux soins, sur le plan microbiologique et sur le plan clinique. On va commencer par, bien sûr, par l'approche microbiologique pour ensuite enchaîner avec Séchafir pour nous parler de l'approche clinique. Je donne la parole à C. Adi pour nous présenter C. Aizouer. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, c'est avec grand plaisir que de vous rencontrer, de vous voir et voir dans le panel autant de présidents, que ce soit les modérateurs ou les orateurs. Il y a plusieurs présidents. On aura l'occasion d'en parler par la suite. Mais le plus important, c'est la collaboration multidisciplinaire et interdisciplinaire, puisque on va aller sur une thématique extrêmement importante et d'actualité. Les orateurs en vont parler sur la difficulté de la gestion du sepsis et de l'infection nosocomiale, et particulièrement la pneumopathie associée aux soins, qui est en train, depuis quelques années, de devenir un vrai problème de santé. Et le développement d'antibiorésistance. Et puis, avec l'arrivée de ce Covid, nous, en réanimation actuellement, on est maintenant très confrontés avec ce flux important depuis quelques mois à de plus en plus d'infections nosocomiales et de l'antibiorésistance. Et donc, c'est important qu'il y ait des débats comme ça, de partage entre cliniciens et microbiologistes par rapport à ce qu'on peut offrir de mieux à nos malades et à d'offrir de mieux dans la préservation et la sécurité des futurs patients et de nos générations. Ceci est facilité aussi, j'en profite parce qu'on a aussi une collaboration de partenariat à la fois des sociétés savantes, mais aussi de partenaires industriels vraiment puissants, les laboratoires MSD avec leur panoplie de produits antibiotiques et le laboratoire IM Alliance qui maintenant se place comme un leader mondial dans le diagnostic microbiologique avec la nouvelle ère qui arrive de PCR multiplex, de pouvoir avoir un diagnostic extrêmement rapide et discriminatif. Et ça va être discuté avec ma professeur Zeher dans un premier lieu et puis l'approche clinique va suivre par la suite. Je pense que c'est extrêmement important et ce n'est pas limité à la communauté de réanimateurs. C'est tous les gens qui sont confrontés à ça et même les gens qui sont vraiment en amont et de première ligne, c'est des éléments qu'ils doivent tenir en compte dans la prise en charge de leurs patients. C'est extrêmement important. Alors j'en profite, on est en diffusion directe sur YouTube.
Et comme vous le voyez sur votre YouTube, il y a un chat direct. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'interagir avec nous, de poser de vos questions qu'on va transmettre aux différents orateurs pour enrichir la discussion par la suite. Donc, on commence tout de suite. Je présente Professeur Zuhair, notre ami, notre maître, notre collègue à Marrakech, une fierté qui est au front depuis tellement longtemps et qui est président de l'association de lutte contre les maladies infectieuses, qui organise beaucoup de manifestations et avec qui on collabore non seulement en interdisciplinaire, mais aussi en intersectoriel, universitaire, entre civils et militaires. Donc, c'est un honneur de recevoir l'éminent professeur Zuhair, qui maîtrise parfaitement le sujet, pour nous donner son avis et sa vision et sa littérature scientifique sur l'approche microbiologiste par rapport aux pneumopathies nosocomiales. Oustadi, à vous la parole. Merci, mon ami professeur Adib. Vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour vous et pour tous les collègues et les collègues ici présents. Je tiens tout d'abord à remercier la SMAR d'avoir organisé cet événement scientifique à travers son président. Je le remercie, je les félicite au même titre que notre ami le professeur Liamani, le président de la SMMU, pour le dynamisme exceptionnel qu'ils ont pour à chaque fois nous proposer des thématiques extrêmement pertinentes et qui nous permettent de se réunir autour de ce dispositif pour bien sûr discuter de sujets intéressants et d'actualité. Je remercie aussi Emalliance qui ont bien voulu aussi proposer des solutions extrêmement intéressantes aussi, notamment celle de l'approche syndromique qu'on va voir par la suite. Alors aujourd'hui, nous allons bien évidemment traiter la conduite à tenir face aux infections pulmonaires nosocomiales. Je parlerai de ma part de notre vision ou de notre avis microbiologique ou les solutions que nous avons utilisées. Et comme vous le savez, les infections respiratoires elles sont très fréquentes et génèrent un coût important pour la santé publique. Elle regroupe bien sûr plusieurs pathologies allant du simple rhume aux pneumopathies aiguës, voire au syndrome de détresse respiratoire. Alors l'OMS, elle considère qu'il y a pratiquement 3 millions de décès chaque année dus aux infections pulmonaires basses. Voilà, donc ce qui en fait un problème majeur de santé publique de par sa morbidité, sa surmortalité et le coût économique considérable que ça génère. Et bien sûr, il y a plusieurs publications qui parlent de l'impact des infections pulmonaires basses en santé publique. Il y a beaucoup de données publiées auparavant et nous avons aussi réalisé des études sur le sujet. Alors, les pneumopathies aiguës communautaires en réanimation, si on s'intéresse particulièrement à la réanimation, les infections virales représentent 31% et les bactériennes 26% en général. Et les co-infections, on est aux alentours de 26% pour les pneumopathies aiguës communautaires en réa. Alors, le pronostic, bien sûr, il devient mauvais quand la bonitisation mécanique dépasse 7 jours. Ça, les réanimateurs le savent beaucoup mieux que nous puisqu'ils sont sur le terrain et c'est eux qui prennent en charge les patients. Et donc, les infections virales sont assez importantes quand même pour les pneumopathies aiguës communautaires reçues en réanimation. Par contre, pour les pneumonies aiguës nosocomiales d'origine virale, elles ne sont pas rares. Elles sont aux alentours de 22% versus 60% à peu près pour les étiologies bactériennes. Donc, vous voyez ici que les pneumonies aiguës nosocomiales sont principalement bactériennes, mais les étiologies virales ne sont pas négligeables. Ça, c'est beaucoup d'études qui ont prouvé ça, bien sûr, dans la littérature. La pneumonie associée à la ventilation mécanique est l'infection nosocomiale la plus fréquente en réa avec une mortalité élevée. Elle prolonge d'ailleurs la durée de ventilation mécanique et d'hospitalisation, bien évidemment, en réanimation. Alors, l'évolution des infections pulmonaires bactériennes dépend, comme vous le savez, de la rapidité et de la qualité de la prise en charge thérapeutique. Le pronostic est directement impacté par le délai d'administration des antibiotiques et les recommandations internationales. Ils suggèrent un délai optimal ne dépassant pas 4 heures. Voilà, donc
les infections respiratoires basses, elles sont souvent source de prescription d'antibiotiques. Vous voyez ici que si on voit entre les affections ORL et les infections des voies respiratoires, on est aux deux prescriptions sur trois à base d'antibiotiques. Donc c'est quand même considérable. Ça, on dépasse les 60% de prescriptions d'antibiotiques par rapport, par exemple, aux affections de l'appareil urinaire. On est à 15% de prescriptions d'antibiotiques par rapport aux autres, bien sûr. Ou par exemple, les infections digestives, on est à 2% de prescriptions d'antibiotiques. Vous voyez que la prescription d'antibiotiques, elle est bien sûr, elle est à 2 sur 3, particulièrement dans les infections des voies respiratoires et ORL. Alors, nous avons mené une étude du 1er novembre 2019 jusqu'au ce 1er novembre, le 1er novembre 2020. En fait, on voulait savoir qu'en est-il de la fréquence des étiologiques des pneumopathies associées aux soins et quel état de résistance aux antibiotiques. Et donc, nous avons colligé, bien sûr, les prélèvements. On va voir lesquels. Et on est pratiquement à 40% en permis l'isolement et l'identification des bactéries à des seuils significatifs. 40% des échantillons respiratoires reçus pendant cette période. Alors, les échantillons que nous avons reçus, c'est en principalement les lavages bronco-alvéolaires, les LBA, on est à 50, un peu plus de 50%, suivi des crachats ou des expectorations. Les expectorations, on est à 37%, et puis un peu plus rarement, les PDP, les prélèvements distaux protégés. Le sexe masculin prédomine, on est à 80% la répartition des patients ayant une infection respiratoire basse documentée, bactérienne documentée, on est à 80%, et en général, c'est la réanimation qui envoie le plus de prélèvements, on est à 90% de pourvoyeurs de prélèvements respiratoires en réanimation et puis services médicaux un peu plus rarement. Selon les bactéries, la répartition, vous voyez ici que c'est les entérobactéries qui prédominent avec les bacilles à gram négatif fermentaires, notamment la cynitobactère et le pyocyanique. Un peu moins les coccyx à gram positif, notamment les staph aureus. Voilà donc la prédominance des entérobactéries avec les BGN non fermentaires. Et puis, bien sûr, on va voir que les étiologies bactériennes sont nombreuses, la cynitobactère, le pyocyanique, l'entérobactère cloaqué, les klebsiels, etc. On a une panoplie d'étiologies qu'on va discuter. Alors, pour la sensibilité des acinetobactères qui ont été isolés dans les pneumopathies nosocomiales, vous avez l'acinetobactère avec une résistance très élevée à l'imipenem et donc une sensibilité, on a à 12% de sensibilité, c'est-à-dire on dépasse les 80% de résistance à l'imipenem. Ouais, vous voyez. Et puis, il reste quoi? Il reste la colicine qui reste sensible. On n'a pas eu de cas d'acinetobactères résistant à la colicine, heureusement. Et puis, on est à 95% de résistance, de sensibilité à la micacine. Donc, il y a 25% de résistance à la micacine. Donc, la colicine avec la micacine, avec la tigécycline reste les principaux antibiotiques efficaces sur l'acinetobactère isolés dans les infections, les pneumopathies nosocomiales en réanimation. Pour le pyocyanique, la ceftazidime reste assez sensible, c'est l'antipyocyanique majeur, on est à 85% de sensibilité, donc ça reste quand même intéressant. La colicine reste intacte, il n'y a pas eu de développement de résistance par rapport à la colicine. Pour le pyocyanique, l'imipenem aussi reste assez sensible, très sensible puisqu'on a 85% de sensibilité pour l'imipenem. Et donc, pour le pyocyanique, ça va encore jusqu'à maintenant par rapport aux souches isolées dans les infections, dans les pneumopathies nosocomiales en réa. Les klebsiels, la sensibilité, on est pour les C3G, on est à 72% de sensibilité, c'est-à-dire on dépasse quand même, on est aux alentours de 30% de résistance aux C3G. Et puis l'imipenem reste assez efficace, on est à 89% par rapport à la micacine.
où la sensibilité a considérablement diminué. Peut-être qu'on a utilisé souvent l'amikacine pour l'éclepsie, ce qui fait il y a eu bien sûr le développement de résistance par rapport à cette molécule. Et ça, c'est des éléments importants. Il y a des épidémiologies, il y a le contexte national, mais il y a aussi les attitudes en fonction de la disponibilité des antibiotiques dans la pharmacie des hôpitaux ou dans la région. Et donc, l'utilisation peut générer ou pas l'émergence de résistance par rapport à cet antibiotique. Et c'est pour ça qu'il est impératif que le clinicien, le réanimateur et aussi le microbiologiste sachent quels sont les antibiotiques les plus utilisés, les associations utilisées et quelles sont les résistances par rapport aux germes isolés. Et ça, c'est un élément important à se transmettre pour pouvoir, bien sûr, donner des antibiotiques efficaces. Le Staph aureus, ici, vous avez, on parle de résistance et pas de sensibilité. On a 95% de résistance à la pénicilline. Enfin, on parlera surtout des 15% de la résistance à la cefoxitine qui témoigne de la résistance à la méticilline. Et donc, on a 15% de Staph aureus méti R, 15%. C'est-à-dire les Staph méti S sont plus nombreux. On est à 85% de Staph méti S isolés dans les pneumopathies nosocomiales en réanimation. Voilà, donc les autres molécules restent sensibles, aucune résistance à la vancomycine. Voilà, l'inésolide à 5% uniquement. Alors, la confirmation microbiologique des pneumonies associées aux soins est une étape cruciale dans l'adaptation de la prise en charge thérapeutique en cas de signe de gravité ou de terrain à risque. Donc, une antibiothérapie en général à l'aspect doit être débutée et secondairement adaptée aux résultats microbiologiques. Ça, les réanimateurs, le collègue le font de façon efficace, bien sûr, avec la collaboration clinico-biologique, avec le dialogue, heureusement. Et ça a augmenté, ça a augmenté depuis quelques années. Et donc, c'est très utile. Et donc, c'est dans l'objectif d'améliorer le pronostic du patient, ce qui nous réjouit davantage. Alors, les délais d'obtention, bien sûr, de l'identification du genre et de l'espèce et la réalisation de l'antibiogramme peuvent aller jusqu'à 72 heures, malheureusement, pour les techniques conventionnelles. Et donc, et en plus, 30% de ces infections peuvent ne pas être 30% peuvent ne pas être documentées par les techniques classiques. 30%. Donc, parce que il y a une infection décapitée, parce que le germe il est à croissance lente, il est exigeant, etc., etc. Et donc, il y a quand même ces techniques, le panel pneumonier, enfin ce panel, cette technologie des multiplex qui est en train de supplanter les techniques conventionnelles, on va voir par la suite. Il y a eu bien sûr beaucoup de discussions sur la place de la PCR multiplex dans les infections respiratoires. Il y a eu beaucoup d'études et beaucoup d'articles sur le sujet. Et les techniques maintenant, on est catégorique et on est sûr que les techniques multiplex représentent plusieurs avantages. Elles assurent un diagnostic rapide permettant d'adapter au mieux le traitement. Elles permettent l'identification des patients à risque potentiel de contamination. Ils améliorent le management hospitalier du flux des patients. Et bien sûr, de par leur rapidité, de détecter les bactéries non cultivables et les faibles charges bactériennes, elles détectent aussi les bactéries lorsque le traitement antibiotique est déjà mis en place. Et ça, c'est intéressant, ce qui n'est pas possible par les techniques conventionnelles. Vous voyez ici que le Filmarray, par exemple, ce qu'il nous propose, ici le panel pneumonique que nous utilisons, des bactéries, plusieurs, bien sûr, étiologies bactériennes, notamment les entérobactéries, le pyocyanique, la cynotobactère, toutes les étiologies nosocomiales, avec le staph, le sténotrophome malasmatophilia, le pneumocoque, et les virus aussi, avec les virus grippaux, le coronavirus, enfin les anciens coronavirus, les rhinovirus, les métapneumovirus, les virus respiratoires syncytiales, particulièrement chez les enfants, les champignons aussi. Et puis, par-dessus tout ça, on a en plus la détection des gènes de résistance, tout ça en une heure. Vous imaginez que plus d'une trentaine de cibles, en une heure, on va détecter la BLSE, le gène qui code pour une bêta-lactamase à spectre élargi, ou un gène qui détecte pour une carbapénémase en une heure des réceptions de prélèvements. Et ça, c'est exceptionnel. Et on est en train de révolutionner. En fait, on est en train de vivre une ère nouvelle
de diagnostic biologique et on va voir la fiabilité de ces résultats et des études comparatives que nous avons menées sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a beaucoup d'études qui ont parlé de la sensibilité et de la spécificité de ces techniques. Elles restent extrêmement sensibles, extrêmement spécifiques. Et nous, on a mené des études sur le sujet. Il y a même des gènes de résistance qu'on a détectés aussi. Alors, nous avons mené une étude comparative parce qu'on n'a pas, on a beaucoup lu sur le sujet, mais on voulait quand même voir sur notre propre expérience sur le sujet et nous avons comparé bien sûr les prélèvements que nous avons reçus de la réanimation des soins intensifs, le film arrêt avec les techniques conventionnelles et nous avons été agréablement surpris. Par exemple, ici, il s'agit d'un cas, par exemple, d'un cas de sujet qui était, enfin, d'un lavage bronco-alvéolaire qui était négatif. Qui était négatif et donc on a rendu au bout d'une heure négatif, mais avec les techniques conventionnelles, on a rendu le résultat par la suite, mais 48 heures après, 24 à 48 heures. Donc, ça a réconforté davantage le réanimateur puisque d'emblée, il savait qu'il n'y avait pas d'étiologie bactérienne, en tout cas par rapport à ce qui existe dans le panel. Une autre, pareil aussi, il y a une confirmation par les techniques conventionnelles de la technique pneumonier. On a rendu au bout d'une heure le résultat négatif. Au bout de 48 heures, on a vérifié sur le lavage bronco-alvéolaire, c'était pareil. D'autres cas, par exemple, où on a mis en évidence l'acinetobacter baumannii sur un lavage bronco-alvéolaire qu'on a vérifié par la suite et qui a été mis en évidence avec une sensibilité à l'imipenem, ce qui n'a pas été détecté ici. Donc la concordance est extraordinaire. Pareil aussi, là aussi, il a détecté un gène NDM, l'acinetobacter, avec la présence du gène de résistance. Ça, au bout d'une heure, et au bout de 48 heures, on a détecté l'acinetobacter sur les techniques classiques. Ça a poussé 24 heures après, on a fait l'antibiogramme, 24 heures après encore, et on a bien sûr mis en évidence la résistance au carbapénème qui était déjà montrée ici, déjà 48 heures auparavant. Et ça, c'est exceptionnel lorsqu'on a vérifié tout ça. Et ça, on ne cesse d'être surpris par rapport à ces techniques. Bien sûr qu'on a rendu ce résultat sous réserve d'attendre les techniques conventionnelles qui étaient considérées comme les techniques standards et les techniques de référence. Pareil ici, donc ça on l'a vu. Le Staphoreus encore, on a mis en évidence un Staphoreus sur un sujet. Vous avez même les dates ici, le 25 juillet 2020, un Staphoreus où il n'y avait pas de résistance à la méticilline, ce qui était le cas ici, un Staph Méti S, ce qui a bien sûr permis d'adapter le traitement et l'antibiothérapie. Pareil ici, sauf que dans les techniques FILMARRAY, on a détecté le Staphoreus Méti S plus un Hémophilus, qui n'était pas mis en évidence dans les techniques conventionnelles. Pourquoi? Parce que l'Hémophilus est exigeant. Il faut des milieux sélectifs ou enrichis pour pouvoir le détecter. Donc, ça, c'est des 24 heures supplémentaires, ce qui n'est pas le cas pour le FILMARRAY qui a détecté à la fois le Staphoreus et l'Hémophilus aussi. Pareil ici, pour l'acinetobacter, il a détecté l'acinetobacter pour l'Hémophilus qui n'a pas été détecté par les techniques conventionnelles. Alors, je peux vous donner plusieurs exemples. Ici, par exemple, le Klebsiella pneumoniae qui a été détecté ici, avec bien sûr ce qui est intéressant, c'est le nombre de copies par ml, c'est-à-dire ça permet de différencier entre une colonisation et une infection lorsque le nombre de copies dépasse les 10 puissance 5 copies par ml, par exemple. Et donc, ça, on le vérifie dans les techniques conventionnelles par une quantification, ce qui était le cas ici. Sauf que le Klebsiella, dans les techniques classiques, c'est une colonie muqueuse et il a tendance à confluer sur la boîte de Petri et à masquer d'autres colonies, ce qui n'est pas le cas pour le FILMARRAY qui a détecté à la fois les Klebsiella, acinetobacter et même l'entérobacter cloaqué. Pareil ici, l'acinetobacter avec un Staphoreus détecté ici dans les techniques conventionnelles, mais 48 heures avant, déjà on a détecté le Staph
avec la cytobactère, avec le gène CTXM qui code pour le BLS2. Déjà, on a communiqué au réanimateur qu'il y a une résistance au SO3G parce que c'est une bactérie sécrétrice de bêta-lactamase à spectre élargi. Et ça, c'est intéressant parce que d'emblée, au bout d'une heure, on adapte le traitement au lieu d'attendre 48 heures ou 72 heures. Pareil aussi pour le puits océanique qui a été détecté par le filmaré et aussi par le puits océanique, par les techniques conventionnelles, pardon. Et puis, on a mis en évidence le gène CTXM qui a été confirmé aussi 48 heures, 72 heures après par les techniques conventionnelles. Pareil ici, encore le Klebsiella pneumoniae avec plusieurs gènes de résistance qui peuvent être mis en évidence dans, au bout d'une heure sur le même prélèvement. Donc, je peux vous donner plusieurs exemples extrêmement intéressants. Il y a même des cas où on a détecté la grippe, le virus de la grippe. Il était sous antibiothérapie, le patient. Il ne s'est pas amélioré. Après, lorsqu'on a reçu le prélèvement, le lavage broncho-alvéolaire, on a mis en évidence un virus grippal, ce qui a bien sûr la mise en place ou plutôt l'instauration du Tamiflu ou de l'Eseltamivir a permis d'améliorer le pronostic bien évidemment pour le patient. Après, en fonction, s'il y a des co-infections par la suite, on peut garder certains antibiotiques ou pas en fonction de l'évolution clinique. Le réanimateur, les cliniciens ont bien sûr toutes les compétences dans leur prise en charge. Un cas, par exemple, de légionelle qui a été détecté. Alors, ça, on l'a détecté avec un cas où, avec un verre dépoli bilatéral, vous imaginez. Et il y avait un cas où on croyait que c'était le coronavirus, tout le monde croyait que c'était le coronavirus. Et enfin, avec l'imagerie évocatrice, c'est vrai que l'imagerie, le verre dépoli bilatéral est très évocateur du COVID, de la COVID-19, mais pas à 100%, c'est pas pathognomonique, vous le savez. Et là, c'est un exemple concret, c'est une pneumonie allégionnelle avec une imagerie de verre dépoli bilatéral et c'était confirmé microbiologiquement. Voilà. Ça, c'est un élément important que le filmaré nous a apporté, une preuve microbiologique incontournable. Je donnerai un dernier exemple d'un cas clinique avec des collègues de la réanimation de l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Mohamed, un patient de 63 ans admis en réa pour un état de mal épileptique sur hémorragie cérébro-méningée. Il a été mis sous sédation continue et ventilation artificielle. Le patient a fait l'objet d'une trachéotomie pour paralyser la laryngie bilatérale. Il a été sevré de la ventilation mécanique par la suite. Depuis deux jours, il présente, je vous présente un cas qui date d'un peu quelques mois. Il présente une fièvre de 2 à 39 avec un encombrement trachéobronchique et expiration purulente. La radiographie thoracique a montré des infiltrats pulmonaires bilatéraux prédominants à droite. Alors, bien sûr, d'emblée, nos collègues l'ont mis sous antibiothérapie probabiliste instaurée à base d'imipenem, amikacine, vancomycine. Et puis, ils nous ont adressé un mini-lavage broncho-alvéolaire. Et donc, nous avons préconisé de faire la PCR multiplex par le filmaré pneumonier. Et donc, nous avons mis en évidence un Staph aureus metis. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Le gène MECA n'était pas présent, et donc ce qui témoignait de la méticillosensibilité de cette souche. Alors, tout de suite après, bon, bien sûr, les réanimateurs ont pris la décision d'arrêter cette triple antibiothérapie et de mettre un antistaph majeur, ce qui a bien sûr permis d'adapter le traitement. Donc ça, c'est juste des exemples qui permettent, qui ont un impact économique majeur et un impact sur la prise en charge du patient. Et ce panel, en fait, pour cet équipement, que vous voyez ça ici en haut, il permet non seulement de faire le panel pneumonier, mais aussi le panel respiratoire, qu'on va voir très rapidement, les hémocultures, c'est une presse aprosyndromique pour le gastro-intestinal, même les méningites, ça nous rend un service considérable puisque au bout d'une heure, on connaît déjà sur un LCR, l'étiologie bactérienne ou virale ou cryptococcus par exemple. En conclusion, les PCR multiplex, elles présentent plusieurs avantages. Elles réduisent
La PCR multiplée, elle réduit le recours à d'autres examens biologiques, radiologiques, elle facilite un diagnostic plus précoce, elle limite l'utilisation des antibiotiques, elle diminue les durées d'hospitalisation, tout ça, ça a un coût, elle limite les infections nosocomiales, ce qui améliore considérablement le pronostic des patients. Je terminerai aussi avec les moyens de prélèvement et de lutte contre la propagation des infections respiratoires, parce que nous avons un acquis considérable, en fait, ces règles de distanciation sociale que les populations ont adoptées pour le coronavirus et qui servent toujours pour les infections respiratoires, les autres infections respiratoires, notamment les gestes barrières, le port de masque, l'hygiène universelle, le lavage des mains, la solution hydroalcoolique. Ils ont un impact considérable. Regardez ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, en Afrique du Sud. Ils ont déjà passé l'épisode. La saison grippale, la saison grippale a été réduite par rapport aux chiffres de l'année dernière. Pourquoi? Parce que les gens avaient adopté les gestes barrières et les mesures de protection, ce qui a réduit la transmission et la propagation du virus de la grippe. Voilà. Et donc, ces mesures ne réduisent pas uniquement le coronavirus. Elles ont un impact sur toutes les infections d'étiologie respiratoire. Et ça, je tenais à le marteler parce que c'est un acquis de la population sur lequel il faut capitaliser. Et je terminerai par le film arrêt qui nous rend service aussi sur ce panel respiratoire qui a intégré pour le communautaire les différents virus, que ce soit la grippe, le MERS coronavirus, les para-influenza, le VRS. Il y a aussi le SARS-CoV-2 et ça nous permet de mettre en évidence lorsqu'on a un malade grave et on ne sait pas, on n'a pas le temps, est-ce que c'est le SARS-CoV-2 ou la grippe ou l'adénovirus ou la ou le paragrippal, ou le VRS, et on a eu des surprises où c'était le rhinovirus, alors que c'était évocateur du coronavirus, et parfois, c'est souvent le coronavirus, puisque le contexte le permet. Et donc, il nous donne rapidement la cible par rapport à bien sûr, au contexte clinique évocateur. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'étais pas long. Non, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour cette conférence très pertinente, avec beaucoup de données scientifiques. On enchaîne directement par la deuxième conférence du professeur Chaperkhtiani, professeur d'anesthésie et réanimation, ancien directeur de l'hôpital Bnei Rosht. En plus, il a un MBA en management hospitalier. Il est le président de la Fédération nationale de judo. Donc, c'est un ami et je lui passe la parole. Comme ça, il va nous entretenir à propos des infections, des pneumopathies liées aux soins, l'approche clinique. Merci à vous, cher ami. C'est un plaisir de voir autant d'amis et de présidents autour de ce thème. Fort intéressant pour la communauté des réanimateurs, des urgentistes, des pneumologues et des bactériologistes ici présents avec nous. Alors, je voudrais d'abord remercier professeur Zouher pour cet exposé qui me facilite un tout petit peu la tâche. Je vais zapper la partie bactériologie où j'ai ressorti des données pour essayer d'expliquer ce qu'on fait tous les jours dans toutes les réanimations au Maroc et un peu partout. Et malgré une grande littérature, en fin de compte, on se limite à peu de choses. En fin de compte, on a une dizaine de produits qu'on va utiliser. Et ce n'est pas le cas du Maroc, c'est partout dans le monde. Et c'est le bon sens, c'est la collaboration avec les bactériologistes et le bon usage des antibiotiques qui peut nous sauver. Alors, j'ai partagé ma... Alors, je vais commencer par de petites définitions. Depuis tout à l'heure, on entend la pneumopathie associée aux soins. Il faut savoir que quand on parle de pneumopathie nosocomiale, c'est la plus habituelle, celle acquise à l'hôpital chez un patient qui peut être intubé ou non intubé après 48 heures d'hospitalisation. En réanimation, on est beaucoup plus confronté à la pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. C'est la pneumopathie qui va survenir 2 jours après le début de la ventilation. Il faut savoir que les pneumopathies associées aux soins
sont assez larges, très différents en matière d'épidémiologie et de terrain sur lesquels elles peuvent survenir. Le vieillissement de la population, la médicalisation fait que ça devient un problème de plus en plus important avec une variété bactériologique et de terrain qui nous impose une certaine réflexion avant la prescription des antibiotiques. J'ai juste rappelé ce qu'a dit professeur Zouhair, la pneumopathie nosocomiale représente un vrai problème en réanimation, puisqu'à peu près 10 à 40% des patients sous ventilation mécanique vont faire une infection nosocomiale après 48 heures de ventilation. Que à peu près, dans une étude assez ancienne de Jean-Louis Vincent, la moitié des patients qui sont hospitalisés dans des unités de réanimation vont être infectés et 65% de ces infections sont des infections respiratoires. Qu'à peu près 20% d'une étude multicentrique américaine de patients qui sont sous ventilation artificielle vont avoir une infection et que c'est fréquent certes et c'est grave parce que la mortalité de la pneumopathie acquise soit à l'hôpital soit liée à la ventilation est de l'ordre de 20%. Donc c'est un problème fréquent dans les unités de réanimation et pas que parce que ça commence à toucher toutes les structures de l'hôpital parce qu'on parle de pneumopathie acquise à l'hôpital et c'est lié à une mortalité assez élevée. Je vais faire un petit rappel pour ne plus limiter le terme de pneumopathie nosocomiale à la pneumopathie qui survient chez le sujet qui est sous ventilation chez nous en réanimation. Ce schéma assez récent de l'équipe espagnole qui a fait des nouvelles recommandations concernant l'antibiothérapie de la pneumopathie nosocomiale, on parle d'un cumul de sécrétions purulentes au niveau de l'arbre trachéobronchique secondaire aux soins de bouche, à la sédation, à l'intubation. Alors, cette infection peut survenir chez un patient non ventilé et c'est une pneumopathie liée à l'hospitalisation. Et cette pneumopathie liée à l'hospitalisation peut pousser le patient vers la réanimation et la ventilation. Et ça devient une pneumopathie liée à l'hospitalisation chez un patient ventilé et ça aggrave le pronostic. Comme on peut avoir en réanimation un patient qui est admis en réanimation, qui est ventilé et juste après, il va faire une infection et la ventilation et l'infection vont finir par aggraver le pronostic qui est marqué ici par une couleur rouge. Donc, ça ne se limite pas aux patients ventilés, mais ça concerne un ensemble de situations de patients qui sont hospitalisés à l'hôpital. Je prends l'exemple du sujet âgé qui va être dans un service de médecine, qui va transiter par des soins intensifs ou réanimation, qui va retourner en médecine, qui va faire une pneumopathie et sur cette pneumopathie dyspnéisante, il va être réadmis en réanimation ou il va être intubé. Ici, la pneumopathie n'est pas liée à la ventilation, mais liée à l'admission à l'hôpital. Alors, rapidement sur le diagnostic, il n'y a rien de nouveau. J'ai mis des recommandations européennes, françaises, américaines, mais c'est le bon sens concernant le diagnostic de la pneumopathie. Et je parle de la pneumopathie bactérienne essentiellement. Je laisse de côté les pneumopathies virales ou fongiques. Généralement, c'est l'apparition de signes radiologiques, de foyers radiologiques qui n'existaient pas, ou le changement d'image radiologique chez des patients qui ont déjà soit une cardiopathie, soit une pneumopathie chronique, avec des signes cliniques chez un patient qui va chauffer. À la biologie, on aura de l'hyperleucocytose ou de la leucopénie, et on aura l'apparition des sécrétions purulentes qui vont apparaître, ou bien chez un patient non ventilé, une toux, une dyspnée, tout ça entraînant une désaturation. Donc, le diagnostic, généralement, il est suspecté sur des signes cliniques, c'est les sécrétions, c'est la fièvre, l'image radiologique qui change et des signes biologiques comme l'hyperleucocytose ou la leucopénie. Alors, il y a eu plein de scores diagnostiques des pneumopathies nosocomiales. Je ne vais pas les étaler. L'essentiel, c'est le Clinical Pulmonary Infection Score qui est utilisé un peu partout et les recommandations des trois dernières années, que ce soit les recommandations européennes, américaines, françaises, elles vont toutes dans le même sens. Ça ne sert à rien d'utiliser un score clinique. Il suffit de faire le diagnostic de la pneumopathie en associant des signes cliniques, radiologiques et biologiques.
Alors, je revois ici avec vous la démarche diagnostique et protocole de soins des recommandations de la SRLF de la SFAR de 2018 concernant la démarche devant une pneumopathie nosocomiale. C'est du bon sens, c'est ce qui se passe tous les jours au lit du patient. On admet un patient en réanimation où il est transféré dans d'un service à une réanimation. Il est intubé ou non intubé avec la place que prend la ventilation non invasive dans nos structures et parfois associée à la sédation. On va suspecter l'infection devant l'apparition de sécrétions, de fièvre, d'hyperleucocytose ou leucopénie, d'aggravation de la gazométrie. Sur ça, ça peut être un sepsis ou un choc septique. On pratique la radio, soit on a des nouvelles images ou des images qui ont changé. Et sur ça, fréquemment, on est obligé de démarrer un traitement probabiliste après avoir réalisé des prélèvements bactériologiques. Donc, c'est ça la démarche de tous les jours. Par la suite, soit que ce n'est pas une infection, toute image radiologique n'est pas infection, toute fièvre n'est pas infection, et on peut écarter une infection, notamment bactérienne, arrêter le traitement, ou bien avoir une culture positive et adapter la thérapeutique qu'on a utilisée. Et généralement, ça se fait vers le sens d'une désescalade parce que au départ général large dans notre présence. C'est une démarche durant parce que l'essentiel des recommandations ont été changées depuis 2016 et c'est toujours la même démarche. Alors, je vais parler des prélèvements bactériologiques. Généralement, on fait les prélèvements et on traite le patient, on attend les résultats. Généralement, c'est 72 heures. Heureusement, comme l'a expliqué le professeur Zouher, on a les panels qui apparaissent et qui nous rendent énormément service. Alors, le prélèvement doit être fait avant l'antibiothérapie ou avant le changement d'antibiothérapie. On a beaucoup de patients qui vont arriver avec une bêta-lactamine, une quinolone, qui vont faire une pneumopathie qui va s'aggraver et on est obligé de changer les antibiotiques, mais il faut savoir faire le prélèvement, soit avant l'introduction, soit avant le changement de l'antibiothérapie. Alors, j'ai passé rapidement quel type de prélèvement, qualitatif, quantitatif, invasif, non-invasif. Je vais faire simple. Il faut faire un prélèvement, mais il ne faut pas oublier de faire d'autres prélèvements, notamment les hémocultures, parce qu'on a des bactériémies associées, de faire des prélèvements de foyers infectieux. Je prends par exemple, ça peut être la plèvre, et se faire aider par l'antigénurie, malheureusement peu utilisée chez nous, notamment pour les légionelles et le pneumocoque. Que dit la littérature et les recommandations concernant ces prélèvements bactériologiques? Si vous vous rappelez, durant le début des années 2000, il y avait un grand débat, broche télescopique, fibroscopie, prélèvement distal, aspiration trachéale. Ben, les choses sont claires. Toute une méta-analyse et toutes les études des 10 dernières années, les études bien conduites, ont montré que le type de prélèvement n'impacte pas ni la mortalité, ni la durée de ventilation, ni la durée de séjour de l'antibiothérapie. Que vous ayez fait une brosse télescopique ou un prélèvement trachéal, ça n'impacte pas le pronostic. Et c'est pour ça que les recommandations, et là, toutes les recommandations sont assez claires. Il faut probablement réaliser des prélèvements microbiologiques des voies aériennes, quel que soit le type, quel que soit le type, ça peut être un prélèvement trachéal avant toute introduction ou modification d'antibiothérapie. Donc, il ne faut pas s'acharner à faire la broche télescopique ou la fibroscopie avec un prélèvement quantitatif. Non, il faut faire ce qu'on sait faire, ce qui est disponible, ce qui peut être rapidement fait. Alors, on a vu la démarche, il n'y a rien d'extraordinaire, les prélèvements à réaliser. Ben, l'antibiothérapie sur le plan pratique, on va aboutir à la prescription d'antibiotiques. La prescription d'antibiotiques est basée sur l'écologie et sur les germes qu'on va possiblement trouver chez nos patients. Professeur Zouher m'a rassuré quant à la microbiologie des infections nosocomiales pulmonaires à Marrakech, mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout et notamment à Casablanca. J'ai essayé concernant le germe, c'est quelque chose qui est dynamique, ça change. On n'a pas la même écologie en fonction du temps, même dans la même structure. Et ça change d'une structure, d'un pays à l'autre. Et au sein d'un même pays, comme on voit au Maroc, il y a certaines différences entre Fès, Rabat, Marrakech et Casablanca. Alors, c'est quoi les germes bactériens qui nous concernent en matière de pneumopathie nosocomiale?
J'ai pris exprès la méta-analyse de début des années 2000 de Jean Chasse et Jean-Yves Fagan. Ben, à l'époque, on était dans la pneumopathie, on était concerné essentiellement par le pseudomonas. Ça représentait le quart des germes isolés. En Europe, à peu près toujours entre 20 et 25% de staphylocoques, dont la moitié résistent au métier R, et venaient par la suite les entérobactéries, avec une proportion de moins de 20%. Ça, il y a 20 ans, méta-analyse des études européennes et américaines. J'ai pris une autre étude assez récente de 2020. C'est une étude publiée au Lancet il y a quelques mois, qui a comparé un nouvel antibiotique avec le méropénème dans la pneumopathie, et je me suis intéressé aux bactéries. Ça a changé. On a toujours les BGN, très peu de coxygramme positif. Les BGN représentent plus de 60%, mais là, ça change. C'est pas le pseudomonas qui vient en premier. Ce sont les entérobactéries, notamment des entérobactéries producteurs de bêta-lactamase à spectre élargi, que ce soit du Klebsiel, de l'Escherichia coli essentiellement. À côté de ça, on a du pseudomonas aux alentours de 20%. Et ce qui nous pose problème actuellement au Maroc, notamment l'acinétobactère. Donc, la bactériologie change dans le temps et actuellement, on est presque tous concernés par les mêmes germes. Essentiellement, les entérobactéries, Klebsiel, Escherichia coli, purcyanique et acinétobactère. J'ai pris quelques données nationales. Je les ai prises chez le professeur Zarouali qui travaille, qui collabore avec les équipes de Marrakech, de Rabat et de Fès sur les BMR aux 3 CHU durant les dernières années. Bon, on a essentiellement du Klebsiel, plus de la moitié des cas. On a très peu de coxygrammes positifs, notamment de SARM, moins de 3%. On a des Escherichia coli. On a par contre de l'acinétobactère qui prend des proportions de plus en plus importantes. Et ça, c'est la microbiologie de tous les prélèvements. Et on a du pyocyanique. Quand on prend les types d'isola, bon, la pneumopathie représente plus du tiers des infections. Ce sont des prélèvements bronchiques. On a de plus en plus d'hémocultures positives du fait des bactériémies et les autres sites, comme d'habitude. Mais la pneumopathie prend une part importante des isolats, des prélèvements bactériologiques réalisés. Je passe, on est concerné essentiellement par du pio et du pio cyanique, de l'acinétobactère et les entérobactéries. J'ai parlé là des résultats du CHU de Casablanca concernant les résistances et ça ne correspond pas à ce que j'ai vu par ce qu'a présenté le professeur Zouhair concernant Marrakech. Concernant les entérobactéries, vous avez en rouge 2020 et en bleu 2019. Ce sont des données que j'ai prises du laboratoire chez le professeur Zarouali. Ben, les entérobactéries, heureusement là, Mécassine, on se situe à peu près à 30% de sensibilité. Pour les carbapénèmes, on est passé de 20 à 30% de sensibilité. Par contre, avec les céphalosporines, bon, on est aux alentours de, on est à 70% de résistance. Ouais. Concernant la cinétobactère, rien de particulier. On a des résistances très importantes aux carbapénèmes, aux alentours de 80%, Cefta et les autres C3G, et à la micassine, aux alentours de 80%. Et donc, fréquemment, on est dans des impasses thérapeutiques avec usage des nouveaux antibiotiques ou des anciens, la colimicine, la tigecycline, les associations et de temps en temps, la rifampicine. Pour le pseudomonas aeruginosa, les taux de sensibilité ne sont pas petits, c'est-à-dire que ne sont pas importants. On a presque 40% de résistance à la micassine, 30% de résistance à la micassine. Et pour la Cefta, on est aux alentours de 40%. Ce n'est pas le même pyocyanique que vous avez présenté à Marrakech. Et ça nous inquiète. Et particulièrement durant cette période de Covid pour 2020, on a beaucoup de patients qui font au-delà de 15 jours d'admission pour la Covid, font des pneumopathies à pyocyanique. Et malheureusement, une fois sur trois, il est résistant à la Cefta, il est résistant au carbapénème et parfois résistant même à la micassine. Je passe sur le profil de résistance des entérobactéries. Il n'y a rien de particulier. On est en train de voir se développer soit des klebsiels, soit des Escherichia coli qui sont BLSE et carbapénémase avec des taux de résistance aux imipénèmes, au carbapénème qui n'est pas
qui n'est pas non significatif, il est de plus en plus important. Ça commence par des 20%, 30%, mais sur 2-3 ans, on va se trouver avec des taux de résistance qui peuvent aller jusqu'à 50%. Je passe sur le profil des résistances. On n'est plus concerné que par les BLSE. On a des carbapénémases. Une petite étude réalisée. Alors, on est concerné par les BLSE et carbapénémases. Et une petite réalisée à Casablanca par le laboratoire de microbiologie. Malheureusement, avec des panels qu'on a utilisés, on n'a pas que du OXA 48. Il y a du NDM qui apparaît. Et ça fait peur. Ça concerne les réa adultes essentiellement. Et ça concerne la clebsiel essentiellement. Donc, notre écologie change, elle n'est pas la même d'un CHU à l'autre. Grosso modo, c'est pareil, c'est les entérobactéries, de plus en plus de BLSE, de carbapénémase, la cinétobactère assez méchant et du piocyanique qui est en train de changer de profil. On a vu les bactéries, c'est quoi les moyens thérapeutiques, de quoi on dispose? Et là, petite anecdote, ma fille a discuté avec moi hier, elle m'a dit « Papa, tu as lu beaucoup de choses ces derniers temps ». Ça, c'est intéressant, je lui ai dit, bon, j'ai lu beaucoup de choses, mais en fin de compte, ça n'a pas changé, ça ne va pas changer mon attitude, parce que je n'ai pas beaucoup de moyens thérapeutiques. Je lui parlais de ma présentation, effectivement, sur le plan thérapeutique, on n'a pas, malgré tout ce qu'on voit, on est limité, et on n'est pas les seuls. J'ai revu, et je vais vous montrer toutes les recommandations, que ce soit américain, nord-américain, Amérique latine, européenne, française, c'est pareil. Alors, j'ai pris ici la recommandation européenne. Grosso modo, on fait de la même chose. On a un patient qui présente une pneumopathie acquise sous ventilation ou à l'hôpital. On va voir s'il a des facteurs de risque d'avoir des germes multirésistants et le terrain, ainsi que la gravité de la pneumopathie. Est-ce que c'est un choc septique ou pas? Généralement, qu'on sait, il n'y a pas de facteur de risque et la pneumopathie n'est pas sévère. C'est une mono-antibiothérapie et généralement, c'est des C3G ou des carbapénèmes, ou des quinolones. C'est ce qu'on fait tous. Quand on a maintenant des facteurs de risque de germes résistants, ou bien association à un pronostic vital, un choc septique, là, on va mettre une bi-antibiothérapie qui couvre, en plus des BGN, du pseudomonas, et de temps en temps, comme ce qu'on a vu dans le cas clinique à professeur Zouher, un antibiotique anti-staph majeur. Quand on n'a pas de pronostic engagé, généralement, on peut se contenter d'une mono-antibiothérapie. Donc, grosso modo, c'est pareil. Ça, c'est les recommandations européennes. Je passe sur les recommandations françaises. Pareil, on classe pneumopathie précoce, absence de signes de BMR, absence de terrain. Généralement, c'est une C3G seule. Quand on a des facteurs de risque de BMR, on va associer un aminoside, la gentamicine ou la micacine, ou bien une quinolone. Le plus souvent, la pneumopathie survient au-delà de 5 jours et on a des facteurs de risque de BGN non fermentant résistants. Et dans ce cas, on va utiliser une bêta-lactamine qui va agir sur le piocyanique, cefta éventuellement ou cénifipine, ou bien piperatazo, ou bien carbapénème. Le plus souvent, on va associer soit une quinolone, soit un aminoside de la micacine. Et de temps en temps, quand on suspecte un SARM, on va associer un antistat, soit de la vancomycine, soit l'inoséline. C'est la même démarche partout. J'avance. Je prends les recommandations américaines. Là, ils sont plus simples. Ils ont mis les antibiotiques en 3 colonnes. Colonne A, colonne B, colonne C. Colonne A, ils ont mis les antibiotiques qui visent le SARM, le staphylocoque métis. R ne présente pas un grand problème chez nous. Ils ont mis les glycopeptides ou bien l'inésolide. Deuxième colonne B, ils ont mis les antibiotiques type appartenant aux bêta-lactamines qui vont agir entre autres sur les BGN et sur le piocyanique. Et une troisième colonne C, ce sont les antibiotiques non bêta-lactamines qui agissent sur les BGN et sur le pseudomonas. Et qu'est-ce qu'ils mettent comme recommandation? Choose one gram positive option from column 1, one gram negative option from column B, and one gram negative option from column C. C'est-à-dire, choisissez en fonction du risque d'existence de SARM, un antibiotique de la colonne A,
un antibiotique de la colonne B et un antibiotique de la colonne C. Qu'est-ce que ça fait? Comme la prescription qu'on a vue à Marrakech, on a vu Thiélam, Amikacine, Vancomycine. Bon, c'est Vancomycine colonne A, c'est Carbapénem, Imipénem colonne B et c'est Amikacine colonne C. Donc, au total, quelles que soient les recommandations, ce sont presque les mêmes familles d'antibiotiques. L'association est faite quand on suspecte des germes résistants ou quand on a un terrain fragile. Alors, antibiothérapie probabiliste, oui, c'est ce qu'on fait. Sauf qu'il faut faire attention, quand on parle de pneumopathie liée aux soins, ce ne sont pas que les pneumopathies qui surviennent sous ventilation artificielle avec un sepsis ou un choc septique. Ça peut être des pneumopathies acquises à l'hôpital où il n'y a pas de gravité. Donc, toujours probabiliste, tout le temps, non. Donc, il faut probablement réaliser les prélèvements, initier un traitement antibiotique en tenant compte des facteurs de risque de bactéries résistantes aux antibiotiques immédiatement en cas de suspicion de pneumonie avec des signes de gravité. C'est quoi la gravité? Elle est soit respiratoire, soit hémodynamique, soit le choc, soit le SDRA, ou bien un terrain, c'est l'immunosuppression. Ce sont les cas où il faut mettre du probabiliste. Et là, je parle de toutes les infections, les pneumopathies nosocomiales liées aux soins. Alors, mono ou bithérapie. Alors, ce qui est assez clair, quand c'est précoce, quand il n'y a pas de facteur de risque de germes multirésistants, c'est une monothérapie, c'est des 3G, de temps en temps, des carbapénèmes. Mais le plus souvent, quand on a une infection qui va survenir au-delà de 5 jours ou de 7 jours, une écologie avec prédominance de bacilles gram-négatives à BLSE ou carbapénémase, c'est une bi-antibiothérapie. À côté de ça, on prend en considération le terrain. La bi-antibiothérapie peut être indiquée du fait d'un terrain immunodéficient. Alors, la littérature, qu'est-ce qu'elle dit sur la mono-bithérapie? Ce qu'il faut savoir, que ceinture et bretelle, quand ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Que le fait d'associer deux antibiotiques, alors qu'il n'y a pas d'indication à associer deux antibiotiques, ça n'améliore pas la mortalité, ni le durée de séjour, ni la durée de ventilation. Et ça, ce sont des études cliniques. C'est de grandes études randomisées qui ont comparé monothérapie, bithérapie, qu'on c'est la monothérapie qui est indiquée. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des indications à la bithérapie. Donc, les experts français SRLF-SFAR suggèrent de ne pas utiliser de manière probabiliste et systématique une antibiothérapie active contre le staphylocoque aureus, comme ce qu'on a vu dans l'exemple de Marrakech et ce qu'on utilise à Casablanca. Pas besoin de mettre un anti-staph majeur. Que quand on a mis une antibiothérapie, il va falloir faire une désescalade 72 heures quand on a reçu les examens, 24, 48 heures, mais généralement 72 heures quand on a reçu les antibiotiques. Et donc, si on a démarré par deux antibiotiques, il faut passer à un seul antibiotique. Donc, désescalade en matière de spectre et réduction du nombre d'antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire. L'exemple de Marrakech, ils sont passés, ils ont trouvé un staphylocoque métis-S, ils ont donné un antibiotique suffisant pour le staphylocoque métis-S. Alors, quelle durée d'antibiothérapie? C'est un débat, pour moi c'est un faux débat. Bon, tout le monde est pour et les études sont pour la durée courte. Il ne faut pas prolonger au-delà de 7 jours la durée d'une antibiothérapie pour pneumopathie associée aux soins, y compris quand on a des BGN résistants, sauf quand on a un terrain d'immunodépression ou bien un foyer associé. Quand vous avez une pleuropneumopathie, vous avez la pneumopathie qui s'améliore, mais vous avez encore un épanchement pleural purulent, ben il va falloir continuer l'antibiothérapie au-delà de 7 jours. Alors, une étude assez ancienne, méta-analyse sur l'impact de la durée de l'antibiothérapie, 8 jours versus 15 jours. Ce qu'il faut savoir, quand l'antibiothérapie prolongée n'est pas indiquée, c'est-à-dire il n'y a pas de signe clinique biologique qui atteste de la persistance de l'infection, quand on la prolonge, ben, elle n'améliore pas le pronostic. Par contre, s'il y a une récidive, on a plus de germes résistants. Si on a mis une première antibiothérapie prolongée de façon non indiquée au-delà de 7 ou de 8 jours, si jamais il y a une deuxième infection, la deuxième infection, elle est généralement à germes plus résistants quand l'antibiothérapie initiale a été
prolongée. Et ça, c'est le constat de tous les jours au lit du patient. Alors, maintenant, quelle durée, quand est-ce qu'il va falloir prolonger l'antibiothérapie au-delà de 8 jours? Et j'ai pris ici les recommandations de la Société européenne et de l'Amérique latine qui, se sont, en 2017, ont donné les mêmes recommandations. Donc, les patients chez qui on doit prolonger l'antibiothérapie sont ceux qui ont eu une antibiothérapie inadaptée initialement, et c'est assez fréquent quand les patients viennent d'un autre service, ils ont déjà été sous antibiothérapie. Donc, si vous avez changé d'antibiothérapie, ben, la deuxième antibiothérapie, elle doit durer plus que 8 jours. Quand vous avez un terrain immunocompromis, comme notamment le neutropénique, le transplanté ou la corticothérapie prolongée, quand on a une forte prédominance de germes résistants au niveau de l'écologie bactérienne. Et là, je fais la différence entre ce qu'a présenté professeur Zouher à Marrakech concernant les entérobactéries et le piocyanique par rapport aux résistances qu'on a à Casablanca des entérobactéries et du piocyanique. Donc, on prend en considération le niveau de résistance du pseudomonas, notamment à l'amikacine et à la saptazidine, la présence d'acinetobactères carbapénémase avec des pas, et malheureusement, on n'a plus que les OXA 48, il y a des NND qui sont sur le territoire marocain. Et éventuellement, quand on a mis une deuxième ligne d'antibiotiques après échec d'une première antibiothérapie, on a décidé une deuxième antibiothérapie, généralement, elle doit être prolongée, notamment qu'on va utiliser des anciens antibiotiques comme la colimicine ou bien les nouveaux comme la tigecycline dans des prescriptions pour la cinétobactère. Donc, antibiothérapie courte, oui, mais il faut prendre en considération ces éléments pour prolonger l'antibiothérapie, notamment l'existence de BMR au niveau de l'écologie du service. Je passe. Je vais parler c'est un petit chapitre concernant soit les entérobactéries, soit l'acinétobactère multirésistant. C'est des cas de plus en plus fréquents, notamment pour les entérobactéries avec des carbapénémases qui ne sont pas que des OXA 48, il y a même du NMD. Je voudrais bien avoir tout à l'heure l'avis du professeur Zouher concernant les panels qu'ils ont réalisés. Bon, dans des cas comme ça, nous, on a la colimicine, on n'a pas la colistine et on a la tigecycline. Il va falloir se fier pour ces entérobactéries à la CMI des carbapénèmes. Même quand on a des résistants carbapénèmes, en fait, c'est plus intermédiaire que résistant. On peut faire des associations de carbapénèmes colimicine, de carbapénèmes tigecycline. Et quand on a une vraie résistance au carbapénème avec des CMI au-delà de 8 mg par litre, là, il va falloir voir d'autres associations, notamment de la tigecycline, colistine ou rifampicine. Et on est de plus en plus dans des impasses thérapeutiques où on est obligé d'utiliser associations dont notre concept, c'est la colimicine, la tigecycline et la rifampicine qui nous apparaissaient il y a quelques années comme une association illogique. À côté de ça, on va maintenir des carbapénèmes en association avec des doses plus élevées. Alors, ces antibiotiques qu'on va associer, qui sont à large spectre, généralement, ils visent les patients qui sont porteurs de BMR. Et les facteurs prédisposant à la colonisation par les BMR sont de deux types. C'est l'antibiothérapie antérieure et c'est la durée de ventilation mécanique et d'hospitalisation. Donc, plus on est hospitalisé longtemps, plus on est ventilé, plus le portage de BMR est important. Donc, au-delà de 7 jours, de ventilation, c'est quelqu'un qui a reçu des antibiotiques avant d'être ventilé, le taux de BMR, de présence de BMR est de 58%. Il est nul chez un patient qui vient d'être admis en réanimation, qui n'a jamais été mis sous antibiotiques. Les patients qui ont déjà été soignés ou hospitalisés dans les 90 jours avant une hospitalisation en réanimation sont de plus en plus nombreux. Je parle des dialysés chroniques, des diabétiques, des bronchopneumopathes qui sont hospitalisés à une fréquence assez importante, des insuffisants cardiaques. Ce sont les patients qui nous posent problème aujourd'hui. Ce n'est pas le polytraumatisé jeune qui arrive, qui va faire une pneumopathie nosocomiale à J3 de son admission. Alors, j'ai essayé de voir dans les différentes recommandations, est-ce qu'il y a quelque chose de logique dans les facteurs prédisposants à un germe. J'ai pris
le staph métier, le pseudomonas, la klebsiella pneumoniae, les entérobactères. En fin de compte, rien n'est clair. Ce sont les mêmes choses qui se répètent dans toutes les recommandations. Un, c'est les antécédents d'hospitalisation récentes, c'est les prises d'antibiotiques récents, c'est le terrain immunodéprimé. Et vous mélangez ça comme vous voulez, avec des spécificités. Par exemple, pour le staph, les coxygrammes positifs, le staph, généralement, c'est le patient hémodialysé, parce qu'on sait qu'il a beaucoup d'accès veineux prédisposant à des bactériémies à coxygrammes positifs. Et chez le patient présentant une infection cutanée, notamment dans les réanimations, ce sont les érysipèles, les patients qui viennent avec des pneumopathies avec érysipèles, où on peut avoir du staph métier. Pour le reste, c'est que ça soit du pio, le klebsiella, l'acinetto, généralement on trouve la même chose. Ce sont des patients qui sont graves, des patients qui ont déjà été hospitalisés ou des patients qui ont déjà reçu des antibiotiques. Donc, concernant ces variables, ces facteurs prédictifs d'existence de germes résistants, moi, à mon sens, c'est toujours les antécédents d'hospitalisation, la prise d'antibiotiques antérieurs, que ce soit le quinolone ou autre chose, et la durée d'hospitalisation avant l'admission en réanimation. Un point de vue de deux réanimateurs infectiologues, Matteo Bassetti et Philippe Montravert, sur les facteurs prédictifs qui prédisposeraient les patients à avoir des BMR, notamment des entérobactéries avec des carbapénémases, chez qui on peut éventuellement inclure les nouveaux antibiotiques. Je parle ici du ceftolozane et tazobactam et du zavicefta. Ce sont les nouveaux antibiotiques qu'on a, qu'on espère associer à notre arsenal thérapeutique pour pouvoir traiter des situations d'impasse thérapeutique. Je parle des situations de pseudomonas multirésistants, résistants au carbapénème et à la cefta et à la micacine. Et je parle pour des situations d'entérobactéries avec sécrétion de carbapénémase multirésistants. Bon, ils ont essayé de faire un point sur les facteurs de risque des MDR, par exemple pour le piocyanique et les entérobactéries sécrétant des BLSE. Ce sont, comme partout, une colonisation antérieure, un patient qui a déjà été hospitalisé avec un portage de BMR, une antibiothérapie antérieure, dans les 90 jours, soit quinolone, soit C3G, et Dieu sait qu'ils sont trop prescrits dans les hospitalisations en dehors de la réanimation, une hospitalisation prolongée, des gestes invasifs, cathéter, sondage vésical, drain de chirurgie, un terrain d'immunosuppression et l'épidémiologie locale. Et il rajoute « travel from high endemic area ». Et on est considéré, nous, au Maghreb, comme des zones avec une endémie de piocyanique et d'entérobactéries multirésistants. Donc ça, ce sont les patients qui, éventuellement, pourraient bénéficier des nouveaux antibiotiques, et dans ce cas précis, c'est ceftolozane et l'association ceftolozane-tazobactam. Concernant l'épidémio, et c'est là où c'est intéressant, quand on a dans notre écologie du piocyanique avec une résistance à la cefta qui dépasse 25%, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on est à ces niveaux, piperatazo au-delà de 25% et carbapénem au-delà de 25%, c'est une des possibilités de rajouter cette association d'antibiotiques à notre arsenal thérapeutique. Troisième élément à prendre en considération pour ajouter les nouveaux antibiotiques à l'arsenal thérapeutique, c'est le terrain, et il n'y a rien de nouveau, c'est le diabétique, le bronchopneumopathe chronique, le patient dialysé, le patient neutropénique, le patient qui a une pathologie tumorale ou le transplanté. Donc, on revient à la même chose. C'est quelqu'un qui est colonisé par des germes résistants, qui a déjà reçu des antibiotiques, qui a des comorbidités. Et particulièrement pour le ceftolozane et tazobactam, c'est le piocyanique. Et là, je parlerai d'une particularité des patients bronchopneumates chroniques qui sont fréquemment porteurs de ce germe. Dieu merci, on reste dans le communautaire avec un piocyanique relativement sensible. Mais on intra-hospitalier, et je vous dis particulièrement durant cette période de pandémie de la COVID, on a de plus en plus
de pyocyanique et résistant à la mycacine et à la ceftazidine et carbapénème. Alors, ce point de vue de deux infectiologues qui connaissent très bien ces nouvelles molécules a été testé sur le terrain par une étude récente parue au Lancet qui compare l'association ceftolozane-tazobactam versus meropenem, qui est un traitement habituel de la pneumopathie communautaire. Sauf que le produit a eu l'AMM pour les infections urinaires et intra-abdominales compliquées. Là, on a testé, c'est une étude randomisée, contrôlée en double aveugle, de non-infériorité, et on a testé des doses beaucoup plus importantes que ce qui était prescrit pour les infections urinaires ou intra-abdominales. J'ai passé rapidement sur l'étude. L'objectif était de comparaison de non-infériorité dans le traitement de la pneumopathie nosocomiale en première intention, en probabiliste. Alors, c'était tester l'efficacité d'une dose plus élevée que ce qui est indiqué dans l'AMM antérieure. Je passe rapidement le design. Plus de 700 patients avec ventilation randomisés. C'est soit une ventilation, c'est une pneumopathie acquise sous ventilation ou patients liée à l'hospitalisation chez un patient. Les critères étaient essentiellement la mortalité à 48 jours et d'autres critères secondaires, notamment de tolérance. Et c'est une étude de non-infériorité. Je ne vais pas détailler l'étude, mais je vais aller à l'essentiel des résultats. C'est ce que j'avais présenté tout à l'heure en matière de bactériologie de cette série. Ben, c'est une bactériologie qui correspond à ce qu'on voit tous les jours aujourd'hui. Ce sont des entérobactéries avec beaucoup de producteurs BLSE et des carbapénémases, de pyocyaniques, notamment de pyocyaniques résistants ou avec une résistance élargie, et avec quelques coccides positifs et de la cinétobactère. Alors, les résultats, on a en bleu ceftolozane tazobactam et en rouge meropenem. En matière de différence concernant le type de pneumopathie, quels sont tous les patients, pneumopathie acquise sous ventilation ou pneumopathie acquise à l'hôpital, les résultats sont identiques et sont en faveur en matière de mortalité, c'est-à-dire l'endpoint principal, ils sont en faveur de l'association ceftolozane-tazobactam chez les patients présentant une infection pulmonaire liée à l'hospitalisation par rapport à tout le groupe ou le sous-groupe de patients ayant acquis une infection sous ventilation artificielle. Je passe sur le taux de succès. Il est comparable, c'est une étude de non-infériorité avec l'intention de traiter. On a comparé les deux et il n'y a pas de différence entre le traitement Princeps qui est recommandé, meropenem, qu'on a vu dans tous les guidelines, et la nouvelle association ceftolozane-tazobactam. Et en matière de type de germes, toujours en bleu, ceftolozane-tazobactam et en rouge meropenem, que ce soit pour le pseudomonas aeruginosa, les entérobactéries, que ce soit avec ou sans BLSE, il y a un avantage, même s'il n'est pas significatif, en faveur de l'association ceftolozane-tazobactam pour ces pneumopathies nosocomiales comparativement au meropenem. Alors, on a vu le point de vue tout à l'heure de Montravers et de Bassetti. Je vais terminer par leurs recommandations. On a vu l'étude aspect concernant l'introduction du ceftolozane-tazobactam comme antibiothérapie probabiliste dans la pneumopathie nosocomiale, et dans les recommandations des deux experts concernant la place de ces deux molécules, notamment l'association ceftazidime-avibactam, que ces deux molécules serait intéressant dans la politique de préservation des carbapénèmes. Pour les gens qui ont, de ma génération, la venue des carbapénèmes
dans les débuts la fin des années 90, ça a bouleversé notre vie. On pensait pouvoir tout traiter. Là, depuis maintenant 5-6 ans, on est dans des impasses thérapeutiques. Les gens qui ont connu l'introduction des quinolones, au départ, on a tout traité avec les quinolones. Maintenant, ça sert presque à rien. En l'espace de 20 ans, on a vu très peu de nouveaux antibiotiques, très peu. C'est pour ça que je pense que, et c'est universel, qu'on est obligé de faire avec ce qu'on a actuellement, que les nouveaux antibiotiques, on n'aura pas beaucoup chaque année, et qu'il va falloir avoir une politique où on épargne nos antibiotiques. On a vu ce qu'on a fait avec les aminosides quand on les a épargnés. Et il va falloir faire pareil avec les carbapénem pour les réserver, ne pas les mettre à tous les coups, les mettre quand c'est nécessaire et les réserver aux bonnes indications. Et l'introduction de nouvelles molécules comme ceftaavibactam ou ceftazolantazobactam serait très intéressant dans la politique de préservation des carbapénèmes. C'est ce qui a été fait par les Espagnols. Un point de vue de la littérature récente qui date de sortie cette année, qui a revu les recommandations espagnoles en matière d'infection, de traitement de la pneumopathie nosocomiale. C'était classique, comme toutes les recommandations que j'ai montrées d'Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, française, c'était pareil, sauf que la proposition des experts espagnols, basée sur la revue de la littérature, que ces deux nouvelles molécules, que ce soit ceftazolantazobactam ou zavicefta, ils ont leur place dans le traitement de la pneumopathie nosocomiale. Soit en probabiliste, si ici les recommandations des Espagnols pour la prise en charge, quand on a une infection précoce, pas de facteur de risque de germes résistants, c'est une 3G, c'est assez clair. Quand on ne connaît pas le germe, on n'a pas une idée sur les facteurs de risque et on ne connaît pas l'écologie de l'unité de soins, on reste classique, c'est piperatazo ou carbapénème ou cefipime associé aux aminosides ou quinolones. Donc, c'est ce qui est classique. Mais entre les deux, quand on a des facteurs de risque en faveur de Klebsiella résistant, BLSE ou carbapénémase, c'est plutôt l'association Zavicefta. Et quand on a des facteurs prédictifs de l'existence de Pseudomonas aeruginosa avec des facteurs de risque de résistance, là, c'est plutôt l'association ceftolozane-tazobactam. Donc, ce sont deux produits qui ont été introduits dans la pneumopathie communautaire pour, un, avoir plus de résultats en matière de Klebsiella et de pyocyanique, et en même temps pour préserver les carbapénèmes. Ça, c'est en probabilisme. Maintenant, quand on a le germe, il va falloir adapter l'antibiothérapie au germe. Et là, je reviens à l'utilité de l'approche syndromique de la PCR multiplex et des panels pour connaître le type de résistance. Et là, jusqu'à présent, moi, jusqu'à il y a un mois, pour moi, au Maroc, nos KPC, c'est essentiellement de l'Oxa 48. Malheureusement, et j'espère que c'est juste anecdotique, on va avoir du NMD. Donc, l'analyse de la bactériologie avec les nouvelles techniques et le type de résistance va permettre d'orienter les antibiotiques et en fonction de l'antibiothérapie, on va du type de germe, on va utiliser les antibiotiques classiques et éventuellement instaurer de nouvelles antibiothérapies adaptées, notamment en matière d'entérobactéries productrices de carbapénémase et de pyocyanique résistant soit à la cefta et ou à au carbapénème et à micacine. Et là, on voit la place des nouvelles associations d'antibiotiques qui vont venir premièrement résoudre les solutions des situations d'impasse thérapeutique. Deuxième chose, préserver quand il le faut les carbapénèmes. Alors, en conclusion, est-ce qu'il y a une nouveauté? Non. Le traitement empirique initial doit être précoce avec prélèvement microbiologique.
Comme j'ai dit tout à l'heure, microbiologie, qu'elle soit quantitative, qualitative, agressive ou non agressive, c'est pareil. Il faut se faire aider avec les nouvelles techniques de laboratoire, notamment les panels et les techniques rapides. Quand on suspecte des BMR, la bithérapie à spectre large est indiquée. Dans notre contexte, associer systématiquement un antistaphe majeur, à mon sens, en dehors du dialysé, de l'érysipèle ou lésion cutanée, ou bien de bactériémie à coxygramme positif, elle est excessive. Il faut revoir l'antibiothérapie au bout de 72 heures en général et essayer de réduire. Si on est en bi, on passe en monothérapie. Si on était large, on va réduire le spectre. L'association doit être limitée à 5 jours, pas plus, sauf quand on a vu les indications américaines, quand on a des germes particuliers, comme les entérobactéries à carbapénémase ou le piocyanique multirésistant. La durée du traitement, quand elle est indiquée, doit être courte, mais il y a des indications à une antibiothérapie prolongée, et on les a vues, notamment dans les recommandations américaines. Le choix de l'antibiothérapie prend en considération 3 éléments. Les facteurs de risque de portage de germes résistants, et il faut prendre en considération le circuit du patient durant les 3 derniers mois, par où il est passé. La colonisation, et on connaît les germes, dans tous les CHU marocains, on connaît les germes de chaque structure, et bien sûr, être aidé par les nouveaux examens. Ici, j'ai mis examen direct du prélèvement pulmonaire. Je dirais beaucoup plus par l'approche syndromique et les panels qui peuvent nous orienter vers le type de germe. Les stratégies thérapeutiques actuelles sont limitées dans les pneumopathies acquises sous ventilation, pneumopathies acquises à l'hôpital, et ont mis en exergue certaines choses. 1. L'intérêt des vieilles molécules. Beaucoup de vieilles molécules sont réutilisées. Elles sont réutilisées parce qu'elles étaient actives. On les a épargnées pendant un bon bout de temps. L'intérêt des associations d'antibiotiques. On est en train de faire des associations. Il y a, moi, quand je faisais mes études de pharmacologie et d'antibiothérapie, l'association de deux antibiotiques bactériostatiques était illogique. Alors que maintenant, on est en train de voir des associations qu'on ne comprenait pas avant. Ben, tout simplement, on comprend mieux la pharmacodynamique et la pharmacocinétique et le mode d'action des antibiotiques. Et on a des associations d'antibiotiques. J'ai lu récemment une équipe italienne qui associe carrément deux carbapénèm. L'optimisation des modalités d'administration, et là les praticiens, ils ont fait beaucoup d'efforts dans la compréhension du mécanisme d'action et mécanisme de résistance des bactéries, et adapter et les doses 1 à la pathologie, au terrain, ainsi que le mode d'administration en fonction du mode d'action de l'antibiotique. Et en dernier, je dirais l'utilité des nouvelles molécules en probabiliste pour l'épargne des carbapénèm. C'est-à-dire, on n'aura pas d'autres antibiotiques tous les jours. Ceux qu'on doit utiliser, on doit les utiliser à bon escient, dans la bonne indication, pour préserver leur efficacité. Et on doit profiter de cette manne pour préserver certains antibiotiques. Je parle ici notamment des aminosides comme l'amikacine et des carbapénèm. On en aura besoin et c'est les seules armes qu'on aura pendant un bon bout de temps. Alors, l'essentiel de ma présentation est basé sur 8 références. Ce sont les recommandations européennes parues en 2017 concernant les pneumopathies acquises à l'hôpital. Et les recommandations américaines apparues en 2017, pareil, sur les pneumopathies nosocomiales. Les recommandations de la SRFLF et la SFAR concernant les pneumopathies nosocomiales qui datent de 2016. Une étude récente espagnole qui revoit les recommandations européennes et espagnoles parues au Critical Care en 2020 récemment et qui met en place de nouvelles schémas thérapeutiques du probabiliste associant les nouvelles molécules, notamment Zavicefta et Ceftotazobactam. L'étude aspect comparant Ceftolozane, Tazobactam versus Meropenem, très intéressante, parue au Lancet, qui montre la non-infériorité de l'association et son utilité en probabiliste avec des doses beaucoup plus élevées que les prescriptions en infection urinaire et infection intra-abdominale. Le point de vue très intéressant, à mon sens, à lire de Philippe Montravert et Matteo Bassetti concernant la part, je dirais, du marché de chaque antibiotique dans l'antibiothérapie actuelle en soins intensifs et en réanimation.
Et un petit papier intéressant concernant les entérobactéries productrices de carbapénémase et qui nous intéresse, qui nous interpelle, après avoir vu récemment cette émergence de carbapénémase, les OXA 48 certes, mais aussi du NDM. Donc, c'est l'essentiel des références que j'ai utilisées pour cette présentation. Je vous remercie. Merci, professeur Chafkhtiani, pour cette excellente présentation exhaustive et pleine d'informations. Donc, on passe à la discussion. Bon, je commence. J'ai une question pour professeur Khtiani. Je tiens toujours à te remercier pour cette excellente communication. Mais pour les infections, pour les pneumopathies nosocomiales ou associées aux soins, donc la pierre angulaire dans la prise en charge de cette pathologie, ça reste la prévention. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je vous ai dit la question, oui. Donc chose qu'on n'a pas vue dans la conférence. Donc, vous avez insisté surtout sur la thérapeutique. Moi, j'ai des questions concernant la prévention parce que c'est la prévention. Lorsqu'on parle de prévention de pneumopathie nosocomiale, on parle premièrement de la décontamination digestive avec plus ou moins une antibioprophylaxie. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce point-là. L'intérêt de la sédation intermittente dans la prévention des pneumopathies nosocomiales, l'alimentation entérale, la position proclive dans cette prise en charge de la pneumopathie, de la prévention de la pneumopathie nosocomiale. J'aimerais bien avoir ton avis sur ces, parce que pour toutes les méthodes de prévention, celles qui sortent dans toutes les études en régression logistique, c'est-à-dire de façon très, très importante, c'est la décontamination digestive. Ben, effectivement. Donc, tout à l'heure, quand j'ai commencé, je vous ai dit, j'ai beaucoup lu, en fin de compte, je n'ai pas beaucoup avancé. Et l'essentiel qui s'est fait en matière de pneumopathie nosocomiale se fait au niveau de la prévention. C'est là où on a vu l'efficacité de la prévention. Alors, les sociétés savantes qui se sont étalées sur la prévention, en 2017, la SRL et FLASFAR, l'essentiel des recommandations a repris la prévention et les recommandations américaines de 2017. Alors, je vais passer un slide des recommandations européennes et ça reprend le mécanisme de la pneumopathie nosocomiale et on voit effectivement la place notamment de la sédation, la place de la position d'installation du patient et des soins. Je ne vais pas parler de tout ça, je parlerai particulièrement de deux choses qui sont de plus en plus mises en avant et qui en montrent la place de les résultats, c'est la contamination digestive sélective et l'antibioprophylaxie. On parle d'antibioprophylaxie pour prévenir l'infection nosocomiale. Alors, ça reste dans les recommandations, ça reste l'apanage des patients d'hématologie essentiellement pour l'instant et un peu de pédiatrie, mais de plus en plus de recommandations médecins, ce qui est d'études avec un haut niveau de prédictivité, de dire que c'est la technique. Mais de plus en plus d'experts reviennent vers la décontamination digestive et l'allègement de la sédation et la réduction de la durée de sédation et de l'extubation. Donc, ce sont des éléments très importants, mais ce ne sont pas que ces éléments. C'est l'hygiène et tout ce qui se passe autour des soins des patients. Donc, effectivement, parce que l'intitulé, c'est la candidature devant une infection nosocomiale, elle est là. C'est pour ça que je ne peux pas traiter en une demi-heure. Mais l'essentiel en matière de pneumopathie acquise à l'hôpital ou l'air des soins, c'est la prévention. Et je pense que dans les deux années à venir, du fait de l'impasse thérapeutique, il n'y a pas beaucoup d'antibiotiques, on visera beaucoup plus
la prévention et notamment la place de la décontamination digestive et, entre guillemets, l'antibioprophylaxie pour prévenir les infections nosocomiales. Tu feras par quoi la décontamination? Alors, ce sont des molécules habituelles de la décontamination digestive sans diffusion systémique, soit des pâtes, soit des antibiotiques avec essentiellement digestif sans grande absorption. Sincèrement, on n'a aucune expérience à Casablanca dans la décontamination digestive. Les hématologues l'utilisaient, pas actuellement, mais je pense que ça va venir. C'est essentiellement des cyclines et sans diffusion systémique. Donc, concernant toujours l'antibiothérapie en matière de pneumopathie nosocomiale et la place des nouvelles molécules, la ceftazidime-avibactam, ceftotazobactam. Donc, moi, je dis toujours que le mauvais livre pour lire concernant l'antibiothérapie, c'est le Vidal. Concernant antibiotiques, parce que les doses qu'on donne au Vidal ne sont pas les mêmes doses qu'on peut utiliser en réanimation. Donc, les doses préconisées dans Vidal pour les deux médicaments, on a noté surtout dans l'étude de Lancet l'aspect pour une pneumopathie nosocomiale que les doses sont triplées ou même doublées ou triplées pour ce qui est le ceftotazobactam. Donc, pour toi, est-ce que parce que dans les deux premières études concernant l'infection urinaire et l'infection intra-abdominale, soi-disant compliquée, c'est-à-dire appendicite, occlusion, c'est pas les péritonites post-opératoires qu'on voit nous en réanimation. Donc les doses étaient moindres dans les infections urinaires et dans les infections intra-abdominales. Alors qu'en pneumopathie, est-ce que c'est dû à un sous-dosage au début ou c'est vraiment on est dans un milieu de réanimation avec un volume de distribution qui est augmenté et on est obligé d'avoir des doses qui sont augmentées avec une autre manière d'administrer ces antibiotiques. Est-ce que le fait d'avoir cette nouvelle façon de donner ces antibiotiques avec une nouvelle dose ne nous rend pas compte que même les anciens antibiotiques qu'on utilisait nous en réanimation ne sont pas donnés de la meilleure façon? Est-ce qu'on peut revoir nos pratiques antérieures? Vous êtes en train de répondre à la question. Il y a deux choses. L'étude comparaison association Sefto, Lausanne, Pazobactam et premièrement, parce que le type de patient n'est pas le même. L'infection urinaire grave, c'est généralement soins intensifs. Et les chocs septiques, effectivement. Pareil pour l'intra-abdominal, c'est pas la pneumopathie nosocomiale du patient qui est ventilé. Pour deux choses. Il faut avoir des taux des concentrations au niveau pulmonaire élevées. C'est ce qu'on a vu avec d'autres antibiotiques concernant les concentrations. Ce sont malades avec des volumes de distribution qui sont tellement différents de ce qui est dans le Vidal, ce qui est normal, ce qui est testé chez quelqu'un de normal. Avec la perméabilité capillaire altérée dans le septique, chez choc septique, c'est important et une bonne partie de ce qui est injecté ne part pas au site avec des concentrations. Elle est en interstitiel et diffuse un peu partout. Donc, les concentrations plasmatiques peuvent ne pas refléter ou ne pas être atteintes avec les doses habituelles. Donc, il y a deux choses. Un, le type de patient, ce sont des patients graves avec un volume de distribution qui change et ça change la pharmacocinétique du produit totalement. Elle est où, notre ami? Il n'est pas une déconnexion. Il revient. Activez son micro, s'il te plaît. Activez le micro. Le micro. On n'entend pas Sikhtiani, il faut activer ton micro. Le micro est activé. Donc, la réponse dans ta question est deux choses. Premièrement,
Et on l'a vu avec les carbapénèm. Il y a des équipes italiennes qui arrivent à des doses faramineuses de carbapénèm. Ils associent carrément deux types de carbapénèm. Donc peut-être qu'on était avec les fourchettes thérapeutiques et les CMI théoriques in vitro qui ne correspondaient pas à la réalité. Et on le voit dans les nouvelles indications des carbapénèmes, contrairement les entérobactéries, avec des carbapénémases. On se dit, regardez la CMI, ne dites pas que c'est résistant ou pas, regardez la CMI, en fonction de la CMI, proposez des doses de carbapénèmes qui peuvent être plus élevées. Deuxième chose importante à prendre en considération, le malade de réanimation, ce n'est pas un sujet sain de phase 3, des essais de phase 3. C'est quelqu'un qui a la pharmacocinétique, ne correspond pas à ce patient. Il a un volume de distribution plus important et les concentrations qu'on cible ne sont pas atteintes avec ces doses. Et la réflexion, effectivement, il faut prendre des doses antibiotiques dont chez certains patients. Je ne connais pas les détails détails de la dose sont de deux ordres, pharmacocinique et pharmacodynamique. Je pense qu'on a besoin de concentrations plus élevées au niveau pulmonaire, peut-être pas atteintes avec ces produits par rapport à la concentration rénale et intrapéritoniale, première chose, et parce que ce ne sont probablement, on vise ici essentiellement du pseudomonas relativement résistant, et il faut des doses très élevées, comme ce qu'on voit avec les l'aclepsiels, la carbapénémase et les carbapénèmes. Merci. Donc, toujours dans le cadre de ces nouvelles molécules, est-ce que tu ne vois pas que dans l'approche globale de préserver ces antibiotiques, on va ne les donner que trop tard? Et il y a une étude, je ne sais pas ce que tu l'as vu, la dernière qui est sortie, entre deux approches où on donne ces antibiotiques de façon assez précoce, et l'autre qui donne ces antibiotiques de façon un peu en retard, on les laisse en dernier recours. Et on a noté que la mortalité diffère. Il est significativement augmenté lorsqu'on les laisse en dernier recours. Tout en sachant que, bien sûr, déjà concernant la ceftazidime-avibactam, lorsqu'il est sorti aux États-Unis, 6 mois après, on avait les premières résistances. Donc, est-ce que cette balance entre préserver l'antibiotique et ne pas donner toutes les chances à un patient. Qu'est-ce que tu en penses de cette approche? Ouais. Alors, l'approche, pour moi, elle est à la fois assez simple. On a des rapports de bactériologie comme où on raisonne, on regarde des entérobactéries et du pyocyanique à Marrakech et le niveau de résistance à Casablanca. Donc, pour moi, par exemple, à Marrakech, il ne faut pas les utiliser. On a des taux de résistance qui sont bas. Est-ce qu'on a ceftazidime, amikacine, carbapénème peuvent être utilisés. On peut même préserver le carbapénème. Je prends des services comme, je ne connais pas ce qui se passe à Fès ou à Rabat, à Casablanca, où on a du pyocyanique. Je prends par exemple le pyocyanique avec un taux de résistance à la cefta aux alentours de 35% à 40% et l'amikacine 40%. Là, il faut aller vite. Il faut aller vite directement à la molécule qui va agir plutôt que de perdre 3 jours avant de la changer. Et il est évident dans la littérature et dans la pratique que le retard du bon antibiotique impacte la qualité de c'est des produits à introduire dans l'arsenal thérapeutique, à utiliser rapidement, mais là où il faut ne pas les utiliser excessivement. Un service où on a du pyocyanique qui est sensible à plus de 80% à l'amikacine ceftazidime, c'est illogique d'utiliser. Pareil pour les clepsiels où il n'a pas de carbapénémase, c'est des AXA 48 relativement sensibles au carbapénem, il faut utiliser le carbapénem, augmenter les doses, associer éventuellement les aminosides. Dans un service où on a soit du clepsiel, soit du pyocyanique avec un taux de résistance élevé, des cas de terrain fragile, dont des cas d'infection pulmonaire sévère, il faut commencer. Donc il faut à la fois les utiliser rapidement et ne pas les utiliser excessivement pour les préserver.
Merci. Je donne la parole à Dr. Sand pour continuer la discussion, pour ne pas monopoliser la discussion. D'accord. Merci. Mais c'était agréable de vous voir président avec un nouveau arrière-plan. Alors, pour toi. Alors, je vais aller, si vous permettez, aller répondre aux questions qui sont arrivées sur YouTube, et puis on reviendra aux questions du président le Cohen, et moi-même aussi j'ai pas mal de choses. Et je commence par une question. Alors, ça commence à revenir, il y a pas mal de questions. De Dr. Adil. Alors, je pense que la question, elle est pour tous les deux orateurs. Pour le pyocyanique chez les patients porteurs de bronchiectasie, comment faire la part des choses entre surinfection et colonisation? Je pense que c'est une question importante. Et avec la vision du microbiologiste et du clinicien, c'est important de... Qui veut commencer? Cézoël, je parlais en tant que clinicien, je laisserai, parce qu'effectivement, c'est là où se pose le problème chez ces patients pour le pyocyanique. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les patients, soit porteurs de bronchopneumopathie chronique obstructive? Généralement, ils sont colonisés par du pyocyanique. Et ils sont multi-hospitalisés et ils reçoivent beaucoup d'antibiotiques. Maintenant, l'augmentation des sécrétions seule n'est pas prise en considération. Il faut avoir la modification de l'image radiologique, la fièvre, les sécrétions qui changent d'aspect et de quantité. Il y a d'autres marqueurs. Il y a, dans les guidelines, il y a l'utilité de la procalcitonine et d'un deuxième marqueur intratrachéal, que je n'ai jamais utilisé, moi, sincèrement, et qui peuvent être associés particulièrement chez ces patients pour objectiver l'infection. Parce qu'ils sont colonisés, c'est important de faire des portages pour savoir le type de pyocyanique qu'ils ont et son niveau de résistance, notamment à la septa et à la micacine et au carbapénème. Mais il faut, chez ces patients, la différenciation de l'infection, de la colonisation, se passe par les critères habituels de la pneumopathie, qu'elle soit communautaire ou nosocomiale, associée à d'autres marqueurs, notamment la procalcitonine qui devient intéressante, et d'autres marqueurs que je ne connais pas, que j'ai lu dans la littérature, qui peuvent être... Oui, à mon tour, oui, juste, je partage parfaitement ce qu'a dit le professeur Ktsani. Effectivement, il y a plusieurs paramètres qui nous permettent de différencier entre la colonisation et l'infection. D'abord, microbiologiquement, nous avons un outil actuellement, enfin, les techniques classiques le permettent aussi lorsqu'on peut quantifier. Et les techniques de PCR multiplex avec le nombre de copies par ml nous permettent aussi d'avoir une idée sur l'infection. Mais comme l'a bien souligné le professeur Ktsani, il y a d'autres critères, les critères cliniques, l'imagerie, d'autres paramètres qu'on peut aussi associer, comme la procalcitonine, et tous ces éléments-là devraient, et la résistance aussi, le type de résistance du pyocyanique, quel est le taux de résistance à la ceftazidime, qui est l'antipyocyanique majeur, et donc tous ces éléments doivent être intégrés dans le raisonnement et dans avant de conclure à une infection ou colonisation, particulièrement pour les malades qui séjournent de façon très souvent à l'hôpital. Donc, je comprends que l'élément clinique est extrêmement important, oui, mais il y a aussi des argumentaires sur la culture, sur l'antibiogramme qui peuvent aider. Mais s'il n'y a pas de communication entre le clinicien et le microbiologiste sur l'aspect clinique, ça ne peut pas. Justement, alors ça c'est la clé en fait de tout le reste, c'est le dialogue clinico-biologique qui nous permet bien sûr à travers, parce que nous aussi on sait que c'est des malades lourds qui séjournent en réanimation pendant longtemps, qui sont sous ventilation mécanique, etc. Ou parfois on trouve 3-4 germes, on ne sait pas lequel il est le plus incriminé, et ça nécessite un dialogue permanent et pour pouvoir discuter et intégrer
intégrer tous les éléments, parce que nous, on est en train d'arguer. Pour les biologistes, on considère que le clinicien, le réanimateur, il est souverain dans sa décision parce qu'il a, lui, devant lui, tous les éléments. Nous, on lui apporte juste un argument supplémentaire par rapport au faisceau d'arguments qu'il a devant lui, notamment le patient lui-même, sa clinique, l'imagerie et tout ça. Nous, on apporte juste un argument en plus. On pourra éventuellement discuter parce que lui, il a un retour d'information qu'il peut nous donner et on peut lui apporter une réponse relative par rapport à ce qu'il nous donne comme information. Mais lui, il a tout le faisceau d'arguments qui lui permettrait de déterminer ou corroborer davantage notre thèse de l'infection de colonisation. Mais en dehors, désolé si j'insiste, parce qu'en dehors de cet aspect de communication qui est fait à Adam, dans la réalité, dans la majorité des situations, vous recevez dans le laboratoire un bon avec le prélèvement. Alors que dans la communication, avant ça, c'est sur le bon de prélèvement, il y a un minimum de renseignements que vous devriez recevoir, dont a parlé Shafiq, Léoma, le délai d'atteinte, le terrain. Est-ce qu'il a une antibiothérapie préalable? Il y a les éléments de décision qui doivent obligatoirement vous parvenir sur le bon de demande. Oui, justement. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs intervenants en réanimation. Il y a des résidents, il y a des nouvelles arrivants, etc., qui sont impliqués dans la prescription et tout ça. Et donc, on a souvent des bons qui sont incomplets, des renseignements qui ne sont pas forcément. Et heureusement qu'il y a cette communication. Il faut persévérer. On communique toujours. On a des insuffisances dans les informations, mais on essaie de communiquer en permanence avec nos collègues et de se concerter et d'avoir l'information pour pouvoir participer à la décision. Donc, je reste sur vous pour une remarque qui a été postée par professeur Sarreni concernant le patient que vous avez montré tout à l'heure qui avait de l'aspergillose. Alors, l'aspergillose. Oui, l'aspergillose. La légionellose, vous voulez dire. Ah, d'accord. Légionellose. Bon, j'ai vu aspergillose. Mais moi, ça c'est tombé. Pour moi, c'était une perche parce que je voulais poser la question, notamment par rapport à la PCR multiplex et par rapport aussi à beaucoup de publications actuellement au cours de la COVID. On voit beaucoup de publications qui, chez les malades COVID qui séjournent longtemps, et on est en train de voir beaucoup de greffes aspergillaires qui sont difficiles à diagnostiquer et difficiles à traiter. Et aussi, on est en ce moment-là, on attend quand est-ce qu'elle va arriver la grippe, et vous nous sortez un prélèvement en avril où il y avait un virus grippe. Quelle est la difficulté par rapport à ces germes-là? Il faut se rappeler qu'en mois d'avril, on était en pic épidémique, la première vague, n'est-ce pas? Et donc, ça nous a permis de différencier entre un virus dans un contexte tout à fait différent. Donc, vous me rassurez que pour le moment, fin de la nouvelle période et la nouvelle vague, on n'a pas encore isolé au Maroc de virus grippe. Si, il y a la grippe, mais la grippe, elle sévit à longueur de l'année, en douceur, mais il y a un pic qui apparaît au mois de décembre, janvier. Ça ne veut pas dire qu'on n'isole pas des virus de la grippe, qu'il y a des virus de la grippe, mais qui passent en silence parfois ou qui ne sont pas. Mais actuellement, on n'a pas encore le pic épidémique de la grippe. Peut-être que le contexte actuellement et les mesures barrières qui sont utilisées et le contexte épidémique de la COVID-19 fait qu'on n'a pas encore des cas sévères de grippe ou des cas qui se manifestent. Mais probablement au mois de décembre, on va voir arriver la grippe avec, bien sûr, des situations particulières. Et c'est là où il faut faire le diagnostic différentiel. Oui, rien à faire par rapport à l'aspergillose chez vous en cette période. Alors, sincèrement, bon, on a eu des cas d'aspergillose, on a eu des cas d'association tuberculose et COVID, et on a effectivement par rapport à COVID des patients qui, au-delà de la quatrième semaine, alors que l'inflammation s'est pris, que c'est relativement géré, il s'aggrave. Il y a eu des patients qui font des COVID sur des terrains de tuberculose ou carrément des tuberculoses avec COVID, tuberculose évolutive avec COVID. Donc la COVID n'a pas encore révélé tous ses mystères,
Donc, je pense partout au Maroc, les patients qui s'en sortent de la réanimation, une bonne partie reste dépendant de l'oxygène. Ils font des infections bactériennes secondaires au-delà de 3 semaines. Ils font des candidoses, notamment pulmonaires ou systémiques, mais probablement qu'il y aura d'autres, notamment de l'aspergillose, sur des terrains, sur des poumons détruits qui vont survenir. Mais on a beaucoup d'hospitalisations pour syndrome inflammatoire, sepsis pas totalement clair et besoin d'oxygène. C'est des patients qui ont été guéris de la COVID sévère. Adib. Oui, vas-y, Président. Oui, j'ai une question pour le clinicien et le bactériologiste. Alors, pour revenir au contexte de la COVID, parce que bon, on reste quand même dans notre contexte et les conditions de la pratique de la réanimation par la création de quelques services improvisés. Des malades, bien sûr, en général, presque tous, antibiothérapie au préalable, au moins 2 antibiotiques, donc bon voilà, sur des choses non documentées, et puis l'implication d'autres personnes qui ne sont pas habilitées ou qualifiées en réanimation. Ça suppose qu'il n'y a pas cette rigueur, hein, donc du respect des mesures préventives, l'hygiène des mains et tout ça, qui constitue quand même, même s'il y a les gestes barrières et tout ça, mais le travail de la réanimation n'est pas fait au parfait. Quel serait l'impact, donc voilà, de ce contexte, de ce travail, de cette réanimation, de ce profil de malade en milieu de réanimation pendant la période Covid, sur d'une part les infections, donc les pneumopathies nosocomiales, et sur d'éventuelles résistances nouvelles, donc à court terme et peut-être même à moyen terme ou à long terme. Qui commence? Bon, je vais parler du clinicien. Effectivement, dans les formes modérées à sévères, l'antibiothérapie prescrite systématiquement associant C3G, quinolone ou C3G seul ou quinolone pose un vrai problème. Quand les malades sont infectés à J10, J11, J12, voilà. On a pas mal de patients qui partent avec des chocs septiques sur des germes méchants, notamment soit c'est du cléciel, soit c'est du piocyanique et de temps en temps de la cyanobactère. Mais la proportion entérobactère et piocyanique est plus importante que la proportion acinetobactère par rapport à tous les patients de la réanimation. Il y a probablement de l'antibiorésistance, à mon avis, en dehors de la COVID, on a des PNMAS assez fréquemment. Hein. Et dans ce contexte, si on se réfère à la littérature, quelqu'un qui a reçu 10 jours d'antibiotiques n'a pas les mêmes germes que quelqu'un qui n'a pas reçu d'antibiotiques. Et pour le même germe, il n'a pas la même résistance. Donc, les choses sont assez évidentes. Et c'est pour ça que je pense que partout au Maroc, les praticiens, il y a des services de réanimation, généralement, les gens raisonnent 2 fois avant de mettre cette antibiothérapie quand il y a possible une infection bactérienne. Le patient qui vient J7 grave, avec un syndrome inflammatoire, sans signe biologique, il y a la COVID, mais clinique ou biologique de sepsis bactérien. Là, on peut discuter. Maintenant, c'est des protocoles, un protocole national. Il n'y a pas que des réanimateurs qui soignent les patients avec des formes modérées à sévères. Et je pense que c'est un ça devient des malades de réanimation. Peut-être qu'il y aura une perte de chance parce qu'ils ont reçu des antibiotiques au départ, mais si on prend une communauté de patients sévères ou modérés un peu partout dans le Maroc qui sont traités par les collègues, je pense que le protocole garde sa place. Oustad Zeher, il y a un commentaire ou là je peux me permettre moi Allez-y. Je mettrai mon grain de sable dedans. On a eu cette discussion même ce matin. Au fait, on a remarqué depuis pas mal de temps qu'il y a une surprescription des antibiotiques dans les phases
précoce de la maladie. Il y a de multiples associations. Et nous, on le voit en réanimation chez les malades qui arrivent chez nous. On a beaucoup plus de résistance qui apparaissent, beaucoup plus de, justement, de candidoses et des choses comme ça qui sont liées à ces prescriptions antibiotiques. Alors que les études internationales et que les recommandations, qu'elles soient internationales, que ce soit les recommandations, l'avis d'experts qu'on a publié récemment, on insiste qu'il n'y a pas de, de place pour l'antibiothérapie avant les phases avancées, et ça a été attesté. Et justement, pour moi, c'est un plaidoyer pour commencer à, dans le bilan biologique qu'il faut pour les malades qui commencent la phase pneumonique, de doser aussi la procalcitonine. Et là, si la procalcitonine est négative, s'il n'y a pas de fièvre qui ne dépasse pas 39, s'il n'y a pas d'hyperleucocytose, il n'y a aucune raison de rajouter d'antibiotiques, parce que d'autres molécules sont efficaces sur cette inflammation, et ce n'est pas de la surinfection à ce stade-là. C'est au-delà de 10 jours, de 11 jours où la surinfection survient, mais quand il survient, si on n'a pas d'antibiothérapie préalable, on a de la marge sur le, la résistance. Donc, c'est un message fort que vous êtes en train de lancer là. Il n'y a pas de place du tout à l'antibiothérapie, que ce soit en ambulatoire, avantage. Et j'en ai discuté tout à l'heure avec Younous. Je pense que là, on va administrer les antibiotiques, notamment en, en médecine de ville ou là, en hospitalisation classique, c'est quand on a de la fièvre à 30, supérieure à 39 et qui se prolonge, avec une hyperleucocytose sur le neutrophile, parce qu'il y a de la lymphopénie, et idéalement avec de la procalcitonine positive. Donc, je pense que c'est les trois éléments dont on serait rajouté de l'antibiotique en dehors de l'azithromycine, parce que il n'y a pas de place. Je rajouterai une chose qu'on ne cesse pas de marteler, c'est la prévention. La place de la prévention dans tout ça, c'est les capitales. Et je pense que cette pandémie, elle a permis de prendre conscience de beaucoup de choses dans la prévention, que les moyens préventifs sont, ils ont un rôle majeur dans la limitation de la propagation de l'infection virale et donc forcément des autres infections. Et donc, je pense que cette prise de conscience devrait être exploitée pour la rappeler à chaque fois, même dans les services de soins intensifs ou réanimation aussi. Donc, je reviens sur une question de Dr Gamouche Karim, notre ami de Tétouan, très cher, par rapport à, au staff métier. Parce que, Chafer, tu as parlé du staff, mais toutefois, il se demande la question, est-ce que le SARM est fréquemment isolé chez nous, au point de le couvrir systématiquement? Je sais que sur le plan microbiologique, vous allez nous répondre qu'on a moins de 5%, il n'y a qu'à 7 heures. Si on a quand même, je vais vous dire, sur les 200 souches isolées, on a 12 staffs aureus. On a 12 staffs aureus avec une, dont 15% est son métier. Donc, on est pratiquement à 5%, effectivement, 5% de staff aureus en général. Donc, ça reste peu par rapport aux entérobactéries, à la cynotobactère et aux piocyaniques, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est isolé chez certains patients, particulièrement. Spécialement les SARM qui sont à moins de 5%, c'est plutôt dans les infections liées au cathéter et les bactériémies, pas dans les pneumopathies. Oui. Souvent, oui, plus souvent. Voilà, la question, elle est pertinente. Je vais dire, d'abord, ce n'est pas rare qu'on ait au direct du prélèvement bronchique, que ce soit trachéal ou bronchique, ce n'est pas rare qu'on nous parle de coccygram positif au direct. Ça existe. Et c'est à la culture qu'on dit non, c'est plutôt BGN. Alors, je vais dire, on a tous tendance, quand le malade s'aggrave, à rajouter un antistaff majeur, mettre de la vonco à ses patients. Moi, à mon sens, et si on le met, c'est légitime. Le patient est grave, surtout si on a des facteurs prédictifs de présence de coccyx positifs, notamment les accès vasculaires, un dialysé chronique, une lésion cutanée, un immunodéprimé. Bon, ça peut se comprendre. Mais ce qui est illogique, c'est de maintenir l'antistaff alors qu'on a un prélèvement ABGN et on n'a pas de coccyx positif aux cultures et que le patient évolue bien. Donc, et on peut le mettre, mais peut-être l'arrêter à J3 quand on a eu que c'est plutôt BGN, c'est entérobactère, c'est et là il faut préserver ces antistaff majeurs, parce que bon, il faut pas oublier qu'on a au Maroc du pneumocoque qui est résistant aux antistaff majeurs, hein, dans certains cas. Donc le mettre
dans les formes graves, patients choc septique pour être très large, accès invasif, notamment les accès veineux, patient qui a un artère, qui a plusieurs catégories périphériques, catégories centrales, chez le dialysé, chez le patient qui a des lésions cutanées, que ce soit érysipèle ou autre, ça se comprend. Quelqu'un qui a... Mais il faut savoir réduire, arrêter cette association dès qu'on a la bactériologie, dès qu'on sait que le patient a plutôt au prélèvement bronchique un BGN. Justement, pour rester dans le thème. Alors maintenant, et tu l'as très bien montré avec les recommandations espagnoles, avec l'algorithme, je pense que les algorithmes vont changer complètement dans l'avenir. Ouais, les Espagnols ont commencé parce que là, avec l'avènement de la multiplex, ben, on va définir quel genre, virus, bactéries, et gènes de résistance. Virus, bactéries, champignons, on va les identifier tous. Avec le profil de résistance, est-ce que c'est un SARM, est-ce que c'est un sensible? Avec l'OXA, avec le NDM, etc. En moins d'une heure. Effectivement. En moins d'une heure. Et avec un algorithme extrêmement simple. Je pense que le paradigme, il change complètement sur beaucoup de réflexions et de décisions et de choses. C'est amené à complètement changer. Et qu'il faudrait, notamment en cette période où on a des malades de plus en plus graves, où la décision est extrêmement difficile, où généralement tous ont une antibiothérapie préalable et des infections tardives, et on ne sait pas par rapport à la ventilation mécanique, la PCR multiplex, elle va devenir un standard of care. Elle devrait devenir un standard of care. C'était difficile au départ d'y croire parce que le microbiologiste de nature, le matin quand il se réveille, il va aller voir ses boîtes de pétri, il adore sentir les odeurs des bactéries et tout ça, il les isolait et tout ça. Donc c'était très compliqué pour nous au départ de prendre le prélèvement ou de le mettre dans un automate. Après, vous avez 45 minutes après les choses. Comme ça, c'était un peu difficile à accepter, mais en fait, après, lorsqu'on a essayé de comparer la fiabilité des résultats, on était surpris même qu'on avait des résultats qui étaient insuffisants par les techniques conventionnelles. Et après, on a vu qu'on peut bien sûr garder les techniques conventionnelles, mais dans des situations, ces techniques de PCR multiplex, elles ont toute leur place et elles doivent être mises en place en premier. Parce que là, on va viser juste, on va donner l'antibiotique adapté à cette bactérie et l'antibiotique qui va diffuser dans ce tissu et éventuellement avec les doses qu'il faut en un temps record et donc la mortalité parce que ça a été établi, il y a des études très anciennes, antibiothérapie tardive inadaptée, c'est mortalité à 90%. Ça va changer complètement les choses. Et ça me ramène à poser la question. Maintenant, nous, quand on va faire un prélèvement et on va demander, par exemple, une approche syndromique, est-ce que c'est le même prélèvement qu'on envoie va servir pour à la fois une multiplex et la culture, ou là, il faudra le préciser, comment faire dans la... Parce que je pense qu'on doit continuer quand même un certain temps à avoir de la culture et adapter en fonction de la CMI. Même si on a une identification extrêmement adéquate. En fait, c'est une question extrêmement importante parce que effectivement, nous on est habitué à faire toujours bien sûr la culture classique, les techniques conventionnelles, mais à la demande bien sûr du clinicien ou par notre proposition, si le cas nécessite une indication particulièrement dans les soins intensifs et en réanimation, il y a des propositions par rapport à ces situations compliquées où bien sûr l'indication elle est là pour faire la PCR multiplex parce qu'il y a une urgence, parce que le malade est en situation critique, etc. Là, mais ça ne nous empêche pas de faire aussi une culture parce que ça reste pas cher. Mais après, est-ce qu'on va rester dans cette configuration de faire les deux à la fois? Je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces techniques sont en train de supplanter doucement et sûrement les techniques conventionnelles. Et même au niveau coût, parce que moi, je demande à ce qu'il y ait une démocratisation, mais s'il y a une technique qui va me donner et qui va m'économiser d'autres antibiotiques et de la durée d'hospitalisation. Ben, je pense qu'en termes cost-effectiveness, ça va être, je pense qu'on a besoin de quelques études de cost-effectiveness, ça va montrer que l'apport est phénoménal. C'est en cours. Je pense que tu as envie de réagir là-dessus. Je pense que c'est le futur. Vous allez voir, c'est, je pense, moi, dans les mois à venir, maximum dans
les années à venir, les recommandations vont changer. Et nous, notre façon de traiter le patient va changer. Moi, sincèrement, ça fait à peine une année que je m'intéresse, que j'ai des résultats du type de résistance. Je connais c'est théoriquement, mais... tu sais que tu peux, même si tu as une résistance à tel, ce type de résistance, tu peux augmenter la dose de l'antibiotique, le donner autrement et l'associer à d'autres antibiotiques. Donc, notre manière de voir l'infection va totalement changer. Un, le résultat est assez rapide. Deuxièmement, on te donne le germe. Troisièmement, on te donne le type de résistance. Donc, ce que tu as comme arsenal thérapeutique, tu vas cibler juste et adapter ta manière de donner l'antibiotique. Et moi, je pense que dans les maximum 3 années à venir, les recommandations vont changer et ça va impacter notre façon de faire. Parce que, comme tu as dit, l'antibiotique prend 5 jours avant de faire la désescalade. Là, il y a un problème de coût qui est très important. Donc, il y a un effort considérable sur la formation à faire parce qu'il faudrait qu'on revoie aussi les cours de microbiologie à revoir complètement. Il y a beaucoup à faire par rapport aux microbiologistes d'abord sur l'apprentissage des résistances. Alors, question de Dr Al-Alaoui. Ça, c'est concernant la prévention. C'est plutôt pour Solkitani. Pour les sondes d'intubation avec système d'aspiration supraglottique, ce que vous en pensez, et puis la place de la nébulisation pour le traitement antibiotique. Alors, la place de la nébulisation, je vais commencer par la deuxième question. Là, pour la place de la nébulisation, les recommandations, bon, les Français sont assez clairs. Quand vous avez un acide gramme négatif, quel que soit le, et qui est sensible à, soit aux aminosides, à la cotine, vous pouvez utiliser ces deux antibiotiques en nébulisation, même les aminosides. Assez. Maintenant, pour la prévention, la prévention, c'est différents maillons. C'est-à-dire, il faut tout associer. Alors, concernant les systèmes d'aspiration, alors le système cloprimo, d'une manière générale, et les systèmes d'aspiration peuvent être utilisés, mais pas seuls. Ce qui a montré son efficacité, c'est le cumul de moyens thérapeutiques, que ce soit la prophylaxie multiple sclérose, l'alimentation entérale, le changement précoce des filtres d'humidification, l'utilisation du système CLO lui-même. Et à côté de ça, il y a la décontamination oropharyngée à la polyvidone, notamment qui va prendre une place plus importante. Donc, tous ces moyens de prévention vont être pas une seule technique, pas le système CLO seul, pas l'aspiration subcutique seule, pas la nutrition entérale seule. C'est le cumul de tous ces moyens de prévention qui va permettre de réduire l'incidence de la pneumopathie nosocomiale. Mais ce qui est sûr, c'est que probablement la décontamination oropharyngée est au sol, ils vont voir le jour dans la prévention. Réli, il ne faut pas oublier que ce Covid-là, avec la nouveauté, chez les malades intubés Covid, je pense qu'il y aura des études qui vont montrer que le fait d'utiliser des sondes protégées, parce que ça réduit l'aérosolisation, les tours, ça a montré une supériorité au minimum pour la contamination des soignants. Ce n'est même pas pour l'infection nosocomiale. Donc, question de notre ami Dr Tar, qui est extrêmement pertinent à chaque fois, et je me suis posé la question tout à l'heure, sur l'antibioprophylaxie. Est-ce que l'antibioprophylaxie en matière de PAV ne vous fait pas peur? Alors, de quelle antibioprophylaxie il parle? Dans le malade de rire, chez le malade de rire. Oui. Bon, maintenant, l'antibiotique, si tu parles. Il y a un problème de connexion. L'infection nosocomiale post-opératoire, là, est-ce que vous arrivez à m'entendre? C'est bon. Oui, d'abord, c'est bon.
Il y a toujours le problème de connexion. On n'a pas entendu la réponse. Je ne sais pas si tu peux améliorer la connexion. En attendant, je pose la même question au professeur Zuhair pour le libérer parce que Allah Ghalb, les militaires, ça appelle. Dis-moi, la question, c'est quoi la question en fait? Une antibioprophylaxie chez un malade de réa pour éviter, est-ce que ça ne vous fait pas peur par rapport au développement des résistances dans l'avenir? Bien sûr que l'antibioprophylaxie est là certainement des avantages, mais elle a beaucoup d'inconvénients pour la résistance, particulièrement pour les malades en réanimation. Moi, je ne suis pas très favorable à une antibioprophylaxie, franchement. Ça dépend bien sûr des situations. Peut-être que l'expérience du professeur Kteni va en parler davantage, mais s'il y a possibilité d'éviter une antibioprophylaxie dans des situations qui ne sont pas nécessaire, je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'éviter une antibiothérapie parce que c'est la source majeure de la résistance, comme vous le savez, et bien sûr, une documentation bactériologique est nécessaire. Juste, Adib, juste pour rebondir, en attendant que professeur Tsani intervienne, on a l'expérience de l'antibioprophylaxie en milieu du bloc opératoire, qui en général n'est pas bien suivi. Hein. Donc, on sait qu'elle n'est même pas suivie à 20-25% comme pour les recommandations, surtout dans le temps, l'intervalle donc de non-indication, donc l'antibioprophylaxie. Donc, il faut faire attention quand on procède à des. Parce que l'antibioprophylaxie, déjà, il n'est pas très. N'est pas très apprécié pour les gens qui sont contre qui combattent hein, donc la résistance aux antibiotiques. Il y a même des écoles par exemple qui font pas d'antibioprophylaxie au bloc opératoire s'il y a une asepsie très rigoureuse. Bah, je parle par exemple des Allemands. Et donc voilà, donc aller revivre la même expérience en réanimation, c'est un peu limite. Oui, c'est vrai. On vous libère, professeur Zuhair. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Très honoré à chaque fois. Merci beaucoup. Shafer, tu enchaînes ? Est-ce que vous arrivez à m'entendre ? Oui. Là, c'est très bien. Alors, très bien. Alors, concernant l'antibioprophylaxie, si on était dans une séance et de la littérature de l'antibioprophylaxie, on va insister, les écrivains vont insister sur donner l'antibiotique, le bon antibiotique, l'écologie bactérienne, le timing de l'antibiotique, la durée de l'antibioprophylaxie. Maintenant, quand on voit la littérature de la prévention, surtout du risque de bactistante en matière de pneumopathie nosocomiale, on trouve que d'avoir pris des antibiotiques dans les 80. Je vous ai montré une slide sur les facteurs de risque. J'ai comparé les facteurs de risque proposés par les Américains, par les Européens. Ben, toujours à tous les coups, patients ayant reçu des antibiotiques dans les 90 jours ou les 30 jours, que ce soit des céphalosporines et des quinolones. Donc, de donner des impacts au moins à moyen terme sur l'écologie bactérienne du patient. Si on protège, jamais il est infecté, on est obligé de mettre des antibiotiques. Parce que toutes les études et les recommandations se basent sur ces études. On montre qu'il y a reçu des antibiotiques, le risque d'avoir une infection à germe multirésistant est plus important. L'antibioprophylaxie est dans ce cadre. Il y a rien volé. L'antibioprophylaxie par aérosol, elle est proposée comme technique de prévention de la pneumopathie nosocomiale et certaines équipes qui la pratiquent avec la décontamination, avec des pâtes ou la décontamination digestive. Alors, il y a des équipes qui pratiquent l'antibioprophylaxie par antibiotiques par aérosol
pour prévenir la pneumopathie nosocomiale. Maintenant, c'est quoi le résultat? Je ne pourrais pas vous répondre, mais moi, en tant que praticien, je sais pour ne pas utiliser d'antibiotiques qu'on s'est indiqué. Et on sait qu'au bloc opératoire, on a beaucoup d'antibiotiques excessives, entre guillemets. Ouais. Excessives, ça. Et je mets méquinolone alors que c'est une chirurgie propre. Et je mets ces 3-2, c'est la deuxième génération alors que c'est une chirurgie propre. Et je prolonge mes antibiotiques. Il n'y a aucun risque parce que le malade a un drain ou parce que le chirurgien est rassuré quand je donne 48 heures d'antibiotiques. C'est quelque chose de très important à prendre en considération, surtout nous qui vivons les impasses thérapeutiques aujourd'hui. Le malade meurt efficace ou pas à la bonne dose ou on est désarmé. Vous avez tous eu des patients qui sont morts d'une chose. Ils sont morts parce qu'ils ont eu de la sinotobacte. Ils n'ont pas dit avec carbapénémas. D'accord. Donc, avant de passer à la toute dernière question, toutes ces discussions m'ont fait relever, m'ont fait rappeler que il y a quand même des choses qui se font. Professeur Bliemani avec Saïd Jidane, il vient de publier un livre sur l'antibiochoir, sur ce qui se fait en ville. Il y a les collègues du CHU de Rabat qui ont un référentiel sur l'antibiothérapie dans leur CHU. Nous aussi, à Marrakech, on a publié carrément un petit livret sur le protocole d'antibiothérapie, que ce soit à l'accueil des urgences, que ce soit chez les infections compliquées. Donc, il y a pas mal de choses que les praticiens peuvent consulter, peuvent avoir et doivent utiliser. Mais il faut s'adapter, comme tu l'as très, très bien dit tout à l'heure, à chaque structure et à chaque localité, et même à chaque service, parce que l'écologie, elle diffère complètement. Et c'est l'occasion de rappeler que on a l'impression qu'on a perdu l'éclat. Au moment où on devrait parler d'approche stewardship, avec les référents, avec les réflexions, avec la communication, on les retrouve pas. Est-ce que c'est le cas des autres clans? Je ne sais pas si tu as une vision. Jamel, il est du privé. Même les cliniques privées, on n'a pas l'impression qu'elles ont des clans. C'est obligatoire d'avoir un comité qui en général ne fonctionne pas. Bon, j'ai un élément de réponse pour ça, parce qu'il n'y a pas que le clan, il y a le référent, par exemple, senior, parce qu'il y a une différence entre senior et référent, hein, donc il faut qu'il soit un référent senior, référent en antibiothérapie. Et autre chose, l'essentiel, c'est que tout ça doit être dans un cadre politique, parce que, bon, on vit dans un seul pays, parce que là, on parle, par exemple, d'écologie, de quelques points qui sont des CHU. Il n'y a qu'au niveau des CHU qu'on a quelques éléments, quelques enquêtes, quelques études. Un autre problème, c'est qu'au niveau de la bactériologie au Maroc, c'est pas très développé partout pareil. Donc on a des éléments, on a des écologies, par exemple pour les CHU de Fès, Marrakech, Rabat, Casa et autres, mais on ne fait pas attention à ce qui se passe en ville, sachant que la résistance, par exemple, aux antibiotiques dans les villes, bah, du moins sur les infections documentées comme les infections urinaires, les BLSE, ils sont très fréquentes. Sachant aussi que 90% des prescriptions d'antibiotiques se font en ville, pas en hospitalier. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut une politique, bien sûr, qui va être sous le principe, le nouveau principe de l'OMS, hein, donc un monde, une santé, qui va englober bien automatiquement, bien sûr, la santé humaine, et puis il faut pas oublier la santé animale qui consomme la moitié des antibiotiques du monde, hein. Et puis tout ce qui est environnement, tout ce qui est donc c'est trois systèmes. Alors au Maroc, on a fait l'ébauche, mais on n'est pas encore, parce que il faut pas parler que au niveau de Marrakech ou du CHU. Il faut une politique nationale, hein, parce qu'il faut pas oublier que l'antibiorésistance, c'est ce que j'appelle moi la pandémie silencieuse,
elle est pire que la COVID, hein, parce que dans les horizons de 2050, ben, elle va être, les antibiotiques vont devenir les premiers tueurs au monde, hein, plus que la résistance aux antibiotiques va dépasser le cancer, hein, donc avec 10 millions de morts. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Et donc, les prédictions, on les arrête. Donc, je passe sur le politique parce que on se réjouit de telles techniques, par exemple la PCR multiplex, les nouvelles molécules qui ne sont pas nombreuses, parce que ça va nous aider quand même dans notre logique donc, de combattre cette antibiorésistance, hein, donc, entre autres. Mais il faut une réflexion globale, hein, donc il ne faut pas rester sur des données un peu par ici, par là, donc qui en général reflète une situation qui est catastrophique à mon sens, mais qui n'est pas encore très bien diagnostiquée et non plus très bien considérée, hein, donc c'est au deuxième plan. Donc et les clins et les référents, l'hygiène, parce que le facteur qui est validé sur le plan scientifique, bah, c'est la surconsommation et le mauvais usage des antibiotiques, hein. Donc ça, c'est partout au monde. Donc nous, on surconsomme. 90% des angines, des pharyngites sont virales, mais pratiquement au Maroc, tout est traité par des antibiotiques, alors qu'un test, par exemple, peut faire la différence entre ce qui est bactérien et ce qui est viral, qui, à mon sens, va... Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, juste un dernier point, il ne faut pas oublier qu'on est un pays, en plus, d'endémie tuberculeuse, et la résistance aux antituberculeux fait ravage chez nous, hein, avec beaucoup de morts. Hein. Je pense que c'est extrêmement important et Nit, c'est l'occasion pour promotionner, parce que je suis au courant qu'il y a la revue d'OptiNews est en train de travailler, il va éditer cette semaine tout un dossier. Et je pense qu'il y a eu même un partenariat avec nos partenaires sur un dossier sur l'antibiotique résistance au Maroc. Je pense que ça serait très intéressant parce qu'ils ont contacté beaucoup de différentes aires. Ça serait très intéressant de lire ça et de faire du lobbying ensemble pour réduire l'antibiorésistance. Voilà. Alors, dernière question. Parce que là, je pense qu'elle est intéressante, mais j'ai pas très bien compris la question, mais ça tombe. Donc, forcément, ça va s'améliorer indiscutablement quand on va commencer à prévenir. Et quand une infection arrive, on va viser juste, très rapidement, et sur une durée étroite. Et là, la technologie qui arrive va le permettre prochainement. Mais quand on va viser juste, va rester les problèmes de pharmacocinétique et de pharmacodynamique sur le patient grave en réa. Et c'est là où vient la question du docteur Yossar. Comment pourrait-on savoir si on est dans la bonne vallée de dosage dans les carbapénèmes? Parce que dans certains CHU, on arrive à doser les aminosides, les céphalosporines, mais les carbapénèmes, ça pose problème. Et sur ce cas-là, comment on va changer dans le deuxième jour si pour l'évaluation du succès de l'antibiothérapie, l'évaluation clinique ne se fait qu'au-delà de 48 heures? Alors, la question, elle est d'ordre pratique. On ne saura adapter les doses qu'on pratiquant les dosages. Et pas tout. On n'a pas de dosage antibiotique un peu partout. À côté de ça, comme tout à l'heure, la réflexion du professeur Yemani, même certaines doses et certaines fourchettes qui sont établies en fonction d'études d'abord de phase 3, par la suite d'études cliniques, peut-être qu'il faut les revoir. Et c'est ce que beaucoup de pays, notamment les Italiens, sont évidemment en train de voir en matière de doses. Donc, parce qu'on a une dose théorique d'efficacité de telle, qui correspond à une concentration plasmatique, que c'est probablement cette dose qui est efficace. Alors, le problème est double en réanimation, parce que sur le plan pharmacocinétique, c'est-à-dire le circuit de l'antibiotique depuis l'administration jusqu'à l'élimination chez le patient de réanimation est différent. Donc,
C'est pour ça que pour qu'il n'y ait pas de perte de chance pour certains patients graves, il vaudrait mieux être en surdosage. On connaît les effets secondaires des carbapénèmes, hein, mais on préfère être sur le côté surdosé et être efficace sur l'antibiothérapie que sous-dosé et inefficace parce que l'infection, notamment par les antibiotérapies, et comme infection acinaire anti-résistante. Donc, on ne saura faire qu'en pratiquant, c'est-à-dire qu'en faisant le dosage, qu'en comparant les doses avec l'efficacité, mais juste pour vous rassurer, en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas la concentration de l'antibiotique qui permet d'arrêter ou de réduire, c'est l'efficacité clinique, comme partout. Et même dans les recommandations, vous allez voir que la place de la CRP, elle est limite dans l'évolution de l'efficacité de l'antibiotique. C'est-à-dire, si on a des signes cliniques d'apyrexie, réduction pour le poumon, réduction des besoins en oxygène, réduction des sécrétions, stabilisation d'image radiologique, c'est suffisant pour dire que je suis dans l'apyrexie, qu'on est dans le bon sens et de réduire éventuellement le spectre. Ce n'est pas le dosage de la concentration, ça reste qu'un dosage, c'est tout. D'accord. Donc, je n'ai plus de questions sur YouTube, je vérifie. On est déjà à 21h30. Non. Oui, il est temps de... Il est temps de conclure, c'était un plaisir de partager. Je suis de plus en plus convaincu qu'on est dans une nouvelle ère de diagnostic et de traitement à la carte. On va prendre en charge de façon individualisée les patients. C'est même pas même les protocoles, c'est des orientations globales, c'est tout. Donc je laisse le mot de la fin pour le président. C'était un plaisir de partager avec vous. Merci, Hassan. C'était très riche et puis ça suscitait beaucoup d'intérêt, comme toujours. D'ailleurs, le sujet est très intéressant, surtout qu'il est lié à un contexte un peu particulier, et puis à la résistance aux antibiotiques et la semaine de l'OMS, où il faut donc se recommander d'utiliser les antimicrobiens avec prudence, et puis il faut préserver les antibiotiques et les antimicrobiens. Donc ça tombe bien. Donc, on se réjouit bien sûr de ces nouvelles techniques, vivement, hein, donc des nouvelles techniques de détection rapide et puis de ces nouvelles molécules qui sont des petits bijoux qu'on va préserver, utiliser avec parcimonie et justesse. Donc, je remercie les orateurs, nos éminents orateurs et nos éminents modérateurs pour ce webinaire, cette réunion scientifique très intéressante. Nous remercions bien sûr nos partenaires, donc les laboratoires MSD et IM Alliance, qui sont tous tout le temps avec nous, surtout dans des sujets d'intérêt commun. Donc on vous donne rendez-vous pour le prochain congrès, donc le ISMAR, le 4 et le 5 décembre, qui va pareil donc être étalé sur 2 jours, vu la richesse des sujets, les sollicitations de par-ci, par-là. Donc on va faire un petit peu le tour, on va parler de tout, un petit peu bien sûr de notre contexte. Et donc je vous dis au revoir, à très bientôt, Charba. Merci. Salam. Au revoir. Merci. Merci. Et puis...